We all fall down. Je me sens vraiment con de m'être retrouvé dans cette situation. Moi qui voulais faire quelque chose de bien, reprendre une nouvelle vie, repartir à zéro, eh bien, avant même d'avoir repris la case départ, me voilà sur celle de fin. Cela s'est passé il y a peu, quelques jours à peine. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de changer d'air, de tout, de travail, de maison, de tout ce qu'il pouvait y avoir. J'ai donc passé comme cela plusieurs jours, à regarder les petites annonces sur les sites. La reprise d'un café? Non merci, je n'ai jamais été du matin. La reprise d'une boulangerie? Alors déjà, je ne suis pas du tout qualifié pour ça, et encore, là c'est encore pire niveau matinée. Non, c'était assez répétitif. Des pizzerias, des supérettes. Dans la très grande majorité des cas, c'était toujours les mêmes choses qui étaient demandées. À une petite annonce près, celle-ci demandait un nouveau gardien de phare. J'avoue que j'avais été assez curieux pour le coup. Je me suis empressé de cliquer dessus. Et j'y ai découvert une annonce assez chouette. La description était assez simple. Recherche nouveau gardien de phare. Pour reprendre les activités au plus vite. Possibilité de vivre dans celui-ci. Car le lieu est abandonné depuis plusieurs années maintenant. Tout meublé, disposant de l'eau et du courant. Il a tout le confort moderne qui est nécessaire. Afin d'y mener une très belle vie. J'ai hésité pendant un temps. Je me suis dit, une annonce aussi atypique que ça... Ça ne pouvait être qu'une arnaque. Ou alors, elle était sûrement déjà prise. Non, rien de tout ça. L'annonce n'avait que 10 minutes. J'étais simplement le premier arrivé. Et comme dit l'expression, premier arrivé, premier servi. Je me suis donc empressé d'envoyer un mail à cette annonce. Et j'ai eu un retour de celui-ci assez rapidement. Ils m'ont donné rendez-vous quelques jours plus tard, afin de faire la visite des lieux. Je me rappelle que la route n'était pas très plaisante. En même temps, je m'attendais à quoi ? Je vis en plein milieu de la France. Évidemment qu'il n'y allait pas avoir de phare près de chez moi. J'ai dû rouler comme cela jusqu'au bord de l'océan Atlantique. Croyez-moi que je n'avais vraiment pas l'intention de refaire la route d'aussitôt. J'ai pris toutes mes affaires. Mes vêtements, mon ordinateur portable, tout ce que je pouvais embarquer. Le reste des meubles, ceux que je n'aurais pas eu besoin pour la suite, étaient restés à mon ancien logement. J'avais plusieurs amis encore là-bas. J'aurais simplement demandé à l'un d'entre eux de débarrasser la maison ou d'essayer de vendre tout ça dans un vide-grenier. En arrivant dans cette petite ville, je fus accueilli par le maire lui-même, qui était désespéré à l'idée de ne pas retrouver preneur pour le phare. Celui-ci était très important pour la commune, mais faute de moyens pour le rénover, il était à l'abandon depuis plusieurs dizaines d'années. C'était seulement depuis peu qu'il était à nouveau vivable. Mais bien sûr, l'ancien gardien de phare, lui, avait déjà pris sa retraite. J'étais donc bien parti pour devenir le nouveau. La visite du lieu avec le maire fut très rapide. Après tout, un phare, ce n'est jamais bien grand. Mais je fus quand même surpris de voir le confort qu'il y avait. À quelques petits équipements, bien sûr. Mais ça, à la limite, je les avais chez moi, j'aurais pu très bien faire un autre voyage beaucoup plus tard. J'ai dû passer cette nuit-là dans l'hôtel du village. Car la procédure n'était pas encore terminée. Et je ne pouvais pas officiellement emménager dans ce phare. Mais bon, ils ont été quand même sympathiques avec moi. Normalement, cela aurait dû durer une semaine. Mais ils savaient parfaitement que je n'avais pas les moyens de payer une chambre d'hôtel pendant une semaine. Alors ils ont accéléré les procédures et fermé les yeux sur les quelques derniers jours qui pouvaient rester. Et c'est là que tout a dérapé. Le jour même où j'y suis retourné, mais cette fois-ci tout seul. Tout content de moi d'entrer dans mon nouveau logement. Et surtout, un logement complètement atypique. Je vous laisse imaginer quelle fut ma surprise. Quand en ouvrant la porte, je découvris une très belle femme qui était là. En plein milieu du salon. Complètement surpris de la voir, j'ai immédiatement pensé à une squatteuse ou une voleuse qui devait venir de temps en temps afin de profiter du lieu. Mais si cela aurait été le cas, elle se serait sauvée en me voyant. Et cela ne fut pas le cas. Elle restait là, à me regarder avec un immense sourire. Puis elle m'expliqua. Bonjour, j'ai pris l'habitude de venir depuis quelque temps, le lieu ici. Paisible, tranquille. C'est un endroit parfait pour méditer, réfléchir sur le sens de la vie, écouter les vagues ainsi que le doux bruit de la mer. C'est tout simplement magnifique. J'avoue que sur le coup, j'étais beaucoup plus consolidé sur l'idée que c'était une squatteuse. Mais elle avait un petit je ne sais quoi, qui me faisait quand même penser le contraire. Puis elle continua.
Je n'ai pas envie de vous déranger. Je viens juste profiter de ce lieu une dernière fois pour ne plus jamais revenir. Elle commença alors à avancer doucement vers la sortie, dans une démarche aussi sensuelle que gracieuse. Elle était si magnifique, une longue robe en sirène qui moulait à la perfection sa silhouette, de longs cheveux noirs qui descendaient jusqu'au bas de sa taille, et deux magnifiques yeux dont s'y reflétait le bleu de l'océan lui-même. Comme le plus grand des idiots du monde, je l'ai finalement rattrapée et je lui dis qu'elle pouvait rester, et qu'elle pouvait revenir quand elle voulait. Et c'est là que fut mon erreur. Je l'avais volontairement invitée. Il ne fallait surtout pas faire ça, car effectivement, si je n'aurais rien dit, elle ne serait plus jamais revenue chez moi sans autorisation. Mais là, j'avais littéralement ouvert ma porte au mal. Elle est revenue comme cela plusieurs jours de suite, à chaque fois nous échangeant de longues conversations, aussi merveilleuses les unes que les autres. Et je dois même l'avouer, j'étais littéralement tombé sous son charme. Mais il y a quelques heures, ce soir-là, notre dernier soir, après avoir partagé un succulent repas avec elle et admiré un superbe coucher de soleil, je lui avais proposé de rester pour la nuit. Elle me répondit alors « Je reste pour cette nuit avec grand plaisir. J'ai attendu cet instant si longtemps que je ne peux refuser une telle invitation. » J'étais tellement heureux à l'idée de la soirée que nous allions passer ensemble. Mais quelques instants plus tard, quand le soleil disparut complètement et que la pleine lune montra son visage, elle fit de même et elle quitta cette enveloppe humaine qui pourtant est ici parfaite. La femme se changea en une immense créature, monstrueuse. Littéralement mi-homme, mi-poisson. Alors, mon joli, tu n'aimes pas mon apparence? C'est ça, cours. Je finirai par te trouver, le fin n'est pas si grand. J'étais tellement surpris et effrayé en même temps de voir cela. Je pense que, ça y est, je venais enfin de prouver que les sirènes existaient. Mais malheureusement, je n'allais sûrement le répéter à personne, avant même qu'elle ne termine sa transformation. Et j'ai tenté de sortir du phare le plus vite possible. Mais la porte d'entrée était malheureusement verrouillée. Elle devait avoir tout prévu depuis longtemps, car je ne me souvenais pas l'avoir fait. Dans un phare, où fuir? Malheureusement, on ne peut que monter ou descendre dans celui-ci. Mais la petite différence du mien, c'est qu'il possédait une cave, qui avait été creusée dans la roche quelques années plus tôt. Dans un élan de désespoir, j'ai couru en direction de celle-ci. Puis je me suis enfermé. Et là maintenant, je suis là, à gribouiller ces quelques lignes, sur un vulgaire mouchoir que j'ai trouvé là par terre. Une chance pour moi, il est quand même neuf. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez changer de vie et recommencer du tout au tout, faites quand même attention aux offres trop alléchantes, beaucoup trop atypiques. Car malheureusement, elles réservent souvent bien des surprises. Oh, je ne pense pas que le maire soit au courant de cela. Il n'est sûrement pas dans la magouille, je ne l'accuse pas. Mais malheureusement, mon absence va sûrement faire venir beaucoup d'autres intéressés ici. Et j'ai bien peur qu'ils connaissent le même sort. En même temps, comment peut-on résister à une si belle femme? Le seul réconfort que j'ai dans cette situation, c'est que les dernières choses que j'entendrai avant de mourir, ça sera elle, qui est là juste devant la porte, et qui ne cesse de me répéter. Ouvre-moi cette porte, mon chéri. Tu n'as quand même pas peur de moi. Nous avons passé de si beaux moments. C'est moi. Allez, ouvre, s'il te plaît. Tiens, bonjour à vous. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Vous êtes nouveau sûrement. Vous vous êtes perdu? Non? Ah non, vous êtes un promeneur. Oui, bah, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Moi? Qui suis-je? Oh, vous savez, je suis là depuis combien de temps maintenant? 400? 500 ans? Je sais plus. Avec le temps, vous savez, on peut pas se souvenir de tout. Est-ce que je me fous de votre gueule? Non, même pas. Oui, je vois bien que vous ne me croyez pas, évidemment. Qui pourrait croire quelqu'un qui arrive comme ça, assis sur un banc en plein milieu de la forêt de Brocéliande, et qui pourrait prétendre avoir comme ça plus de 500 ans? Évidemment, dit comme ça, ça semble complètement tiré par les cheveux. Mais pourtant, je vous assure que c'est vrai. Ah, qui suis-je? Oui, c'est vrai, excusez-moi, j'ai pas répondu à cette question. Eh bien, écoutez, mon nom, je l'ai oublié. Tout simplement. Oui, c'est débile dit comme ça, parce que un nom on en a qu'un seul. Surtout qu'à mon époque, avoir un nom de famille, c'était assez difficile. C'était de la paperasse, des achats, enfin, je vous passe les détails. Vous savez quoi? Appelez-moi l'observateur, parce que cela est la seule chose
que je peux encore faire ici? Ah, je vois que j'ai tilqué votre curiosité. Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, un petit peu tout. Les gens comme vous, qui sont de passage. La nature qui change chaque année. Les saisons qui passent. Les arbres qui évoluent. La végétation qui change d'apparence. Les animaux qui disparaissent à vue d'œil, malheureusement. Et surtout, les vrais habitants de la forêt de Brocéliande. Comment? Quels habitants? Non, évidemment, il n'y a personne qui habite ici, pas dans cette forêt. Enfin, pas officiellement, bien sûr. Il n'y a pas une petite maison placée comme ça, perdue au milieu des bois, qui est habitée par je ne sais quel ermite, qui ne voit jamais personne, vous voyez le style, la grande barbe, tout ça. Non, 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 rien de tout ça. Non, c'est tout ce que vous ne croyez pas, en fait. Oui, je sais, excusez-moi, c'est un peu vague. Avez-vous déjà entendu parler des licornes, des gobelins, des trolls et j'en passe de toutes ces créatures? De quoi vous avez regardé le quoi? Seigneur des Anneaux? Désolé, ça ne me dit rien du tout. Oui, bah ça va, me regardez pas comme ça. Je suis bloqué ici, moi, de toute façon. Comment voulez-vous que je regarde vos films, là, trucs, musique, les appareils, là, que vous mettez dans les oreilles, ou je sais pas trop ce que c'est, toutes ces... Ça change constamment. Il y a encore 30 ans en arrière, c'était des tout petits casques que vous mettiez avec des espèces de boîtiers en plastique où on dépassait un très grand fil. Maintenant, vous installez quelque chose de rond et plat. Ah non, 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 autant pour moi, vous le faites même plus, ça. Maintenant, vous avez tout sur vos petits appareils, là, tout carré, que je ne sais même pas à quoi ça sert. J'en vois souvent beaucoup, comme vous, qui parlent dedans bêtement, comme ça, pendant des heures. Mais est-ce que vous avez conscience que vous êtes parfaitement ridicule à parler tout seul? Vous parlez à quelqu'un d'autre? Mais par quelle diablerie vous avez réussi à miniaturiser quelqu'un pour qu'il rentre là-dedans? Décidément, je ne me ferai jamais à cette époque. Mais je parle pour me plaindre. Cela vous intéresse-t-il de savoir comment j'ai atterri ici? Pas vraiment, non. Allez, s'il vous plaît. Je suis sûr que vous allez aimer cette histoire. Ah voilà, asseyez-vous. Profitez-en, regardez. On est tout seul ici. Il fait beau en plus. Pour la saison, c'est assez exceptionnel. Bon, il est un petit peu tard, mais... C'est bon, je pense que... Si on prend que quelques minutes, ça ne risque pas grand-chose. Tout a commencé il y a 500 ans, comme je vous l'ai dit. À quelle époque c'était exactement, je ne peux plus vous dire. Même la date de ma mort, je l'ai oubliée. J'étais comme vous à cette époque. Je ne faisais que me promener dans cette forêt. Je cherchais peut-être un ou deux champignons ici et là. Ou même un lapin, si j'aurais de la chance. Mais rien de tout ça. À la place, je suis tombé sur ce qu'il me semblait être au début, un énorme cheval tout blanc. Celui-ci était magnifique. Le voir là, comme ça perdu, j'ai immédiatement pensé à un cheval qui s'était échappé d'une écurie, voyant un si bel étalon, et en imaginant le prix qu'il pouvait coûter. Je me voyais déjà sortir de la misère, pouvoir m'acheter quelque chose d'un peu plus décent, et recommencer sûrement une nouvelle vie, avec un peu plus de moyens. Mais quand je me suis rapproché de celui-ci, j'ai rapidement remarqué quelque chose qui n'avait rien à faire là. C'était comme une corne, une immense corne qui lui sortait de la tête. Je fus énormément surpris de voir cela. Mais qu'est-ce que pouvait être cette chose? À cette époque, on n'était pas au courant comme vous de toutes les créatures mythologiques qui avaient soi-disant existé. Même si pour le coup, celle-ci existait bel et bien. Elle était là face à moi. Elle m'ignorait complètement. Elle n'en avait rien à faire de ma présence. Tant que je restais à distance d'elle, il n'y avait aucun souci. Mais vous imaginez bien sûr que je n'ai pas pu me retenir. Et j'ai tendu le bras dans sa direction, tout en avançant lentement, afin d'essayer au moins de la toucher, afin d'être sûr que je n'étais pas fou et que ce qui était là était vrai. Mais j'ai dû faire le pas de trop. Et la créature s'est brusquement retournée sur moi et m'a rapidement chargé. Elle m'empala sur un arbre, me perforant le ventre avec sa corne. Puis elle la retira rapidement et répéta l'opération des dizaines de fois afin de me poignarder à plusieurs reprises. Vous dites souvent que les licornes sont un animal magique. Croyez-moi, ils n'ont pas la moindre miette de magie. Ils n'ont qu'une simple corne et un très mauvais caractère. Le pire, c'est qu'elle ne m'a même pas tué. Elle m'a simplement laissé là, me vider rapidement de mon sang et mourir d'hémorragie. Quand je me suis réveillé, j'étais assis le long de cet arbre. J'ai essayé de me lever. Mais j'avais l'impression d'avoir quelque chose de moins, d'être beaucoup plus léger. Et c'est là que j'ai compris en regardant derrière moi. J'étais mort. La créature avait eu raison de moi. Et maintenant, j'étais une âme supplémentaire.
perdu au milieu de cette forêt. Bien sûr, j'ai croisé plusieurs autres fantômes. Il y en a même un qui m'a parlé d'un lieu, il disait la taverne des morts, il me semble, quelque chose comme cela. Mais franchement, ça ne m'intéresse pas d'y aller. Je préfère rester ici, dans cette immense forêt. Ça peut paraître stupide, car c'est ici que je suis mort. Mais j'ai tellement de bons souvenirs ici. Enfin, à la base, j'avais tellement de bons souvenirs. Avec le temps, beaucoup d'entre eux sont partis. Mais je suis sur Terre depuis tellement longtemps. La preuve, j'arrive même à apparaître devant vous. Croyez-moi, tous les fantômes ne sont pas capables de faire cela. Maintenant, je me suis accordé la mission d'essayer d'avertir les gens qu'ils ne doivent pas rester trop longtemps dans cette forêt. Car malheureusement, tous les habitants risquent de s'énerver. Et il arrive souvent que des gens disparaissent ici et ne sont jamais retrouvés. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il commence à se faire tard. Vous aussi, vous devriez partir. Allez, ne restez pas ici. Non, sérieusement. Sérieusement, partez. Ne restez pas là. Surtout que là, on est en plein sur le territoire de la licorne. Croyez-moi que si elle revient, je ne donne pas cher de votre... Oh là 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 là, attendez. Il y a quelqu'un qui est passé là. Oh non, je l'ai pas vu lui. Monsieur, non. Oh non, merde. Merde. Il m'a pas entendu. Il m'a pas entendu ou il a pas voulu m'entendre. Ah non, il a encore ces trucs là dans les oreilles. Ces machins là, c'est quoi ces trucs là que vous avez tous dans les oreilles quand vous courez? J'ai beau essayer de vous appeler, vous m'entendez pas avec ça. Oh, j'espère qu'il va pas tomber sur... Eh si, eh merde. La licorne n'est vraiment pas contente ce soir. Bah regardez, vous me croyez maintenant? Vous me croyez que les créatures comme ça existent? Qu'est-ce qu'elle va lui faire? Oh bah elle va sûrement lui faire la même chose que moi. Ah bah regardez, voilà. Ouh, ça doit faire mal ça. Ça aussi, ça doit faire très très mal. Ce coup-là, oui, ce coup-là, je confirme, il fait très très mal. C'est celui-ci qu'elle m'a infligé en tout dernier. Non, lui, je vous garantis que oui, il fait très 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 mal. Bon ben, je crois qu'elle en a terminé. Elle a été plus rapide qu'avec moi. Je crois qu'elle devait pas m'aimer. Enfin, je vous rassure, aujourd'hui, elle m'apprécie encore moins. Maintenant qu'elle sait qu'elle ne peut même pas me tuer, je vous assure, à chaque fois qu'elle me croise, elle me regarde toujours d'un mauvais œil. Bon ben, je vais vous redemander de partir parce que... Vous avez vu ce coureur? Mais non, ça sert à rien d'aller voir s'il est encore vivant. Je vous assure, si vous vous approchez de lui, vous allez finir exactement de la même façon. La licorne a horreur quand on s'approche d'elle. Et encore, vous avez de la chance. Il y en a d'autres ici qui sont bien pires qu'elle. Lesquels? Ah, vous voulez que je vous raconte? Eh bien écoutez, pourquoi pas. Venez avec moi. Je vais vous accompagner à l'entrée de la forêt. Là-bas, ça sera sûr pour vous. Aucune créature n'y vit. Je vais pouvoir vous expliquer un peu plus en détail toutes ces créatures. Après tout, n'est-ce pas mon rôle? Le rôle de l'observateur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment arrivé? Je suis complètement... Ah non, mais... Waouh, bordel. Oui, faut que je m'assoie 2 secondes. Faut que je m'assoie, je réalise même pas ce qui m'est arrivé. J'en ai tellement entendu des histoires là-dessus. Ma vie, et celle de tous ceux que je connais, est pratiquement focalisée dessus. On l'entend depuis notre naissance même. Mais jamais j'aurais cru une seule seconde qu'une telle merde pouvait exister. Oh bordel de merde. Bon, alors voyons voir, je vais essayer de tout me remettre en mémoire et puis, si ça se trouve, j'ai peut-être vu de la merde. Peut-être que c'était pas vrai. Attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, commençons par le commencement. Je vais paraître stupide à parler à moi-même, mais je crois que ça va m'aider. Alors voyons, alors déjà, comment t'appelles-tu déjà? Alors, faut vraiment... Putain, merde. Attends, respire. Je m'appelle Igor et... Non, je ne suis pas fou. Non, j'en suis sûr que c'était vrai. Non, attends. Fais étape par étape, on va... Sinon, je vais pas y arriver. Oh, bordel. J'ai l'impression d'être bourré tellement que c'était bizarre. Je suis pêcheur, comme mon père l'a été, ainsi que son père et tous les membres de notre famille depuis...
des siècles sûrement. On vit ici, dans ce petit village, près de ce lac, et on a toujours respecté ces traditions familiales, de pêcher dans le même endroit, attraper les mêmes poissons, et profiter d'une vie simple mais très heureuse. Enfin ça, bien sûr, c'était avant. Ça a commencé à l'époque de mon grand-père. Depuis que ce soi-disant mon monstre avait été déclaré. Un monstre, tu parles. Bien sûr que personne n'y a cru. Chez nous, au village, ça fait des siècles qu'on habite ici. On n'avait jamais vu une soi-disant grosse créature sortir comme ça et attaquer les gens qui se promènent sur la plage. Voyons, depuis le temps, on l'aurait déjà vu. Mais j'imagine que l'être humain aime rêver. Qu'il aime imaginer des choses abominables, ou alors complètement fantastiques, afin de se permettre de rêver. Enfin, je crois, je ne sais pas. Je suis vraiment pas psychologue. Déjà que je ne sais même plus moi-même quoi penser, alors ce que pensent les autres, franchement. À l'époque de mon grand-père, cette folie au monstre avait commencé doucement. Oui, il n'y avait pas Internet à cette époque. Certes, les journaux et la radio partageaient l'info, mais rien de bien méchant. C'était même rare que les infos du monde extérieur viennent jusqu'ici. À cette époque, il ne faisait que recevoir les grosses lignes. Quand le pays était en guerre, qu'il avait gagné, j'en passe. Quand ce fut au tour de mon père de pêcher, c'est là que les choses se sont gâtées. Les touristes ont commencé à venir de plus en plus, espérant voir ce fameux monstre, voir un petit bout de lui dépasser hors de l'eau, et pour qu'ils puissent immortaliser l'événement avec leur Polaroid de l'époque. Mais moi maintenant, ça devient vraiment, et vraiment très dur, de pouvoir faire quelque chose. Il ne se passe pas une journée sans qu'un bateau de plaisanciers ne fasse le tour. Et si j'ai de la chance, il ne se prendra pas dans l'un de mes filets, ou dans celui de l'un de mes confrères. Confrère et bien sûr ami. Je me demande d'ailleurs la tête qu'ils vont faire quand je vais leur raconter cette histoire. Je sais même pas si je vais leur raconter d'ailleurs. Mais si, si, il faut, voyons, je peux pas garder ça pour moi. C'est bien... Oh, je sais pas, je sais vraiment, vraiment pas. Ah, t'égare pas, ne t'égare pas, continue. Alors t'en étais où? Oui, les plaisanciers. Ces emmerdeurs, comme tu les appelles. Toujours à vouloir une espèce d'interview de ta part. Systématiquement, ils viennent. Ils accostent les pêcheurs. Alors monsieur, dites-moi, vous l'avez vu le monstre? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il a déjà attaqué l'un de vos bateaux? Est-ce qu'il a déjà mangé un chien? Est-ce qu'il vous a déjà fait du mal? Mais non, voyons, il n'y a rien, fichez-nous la paix. Ça, c'est nos journées habituelles. Mais alors, à chaque fois qu'il y a un film qui sort, qui met en scène ce fameux monstre, cette folie redouble d'efforts, triple même parfois, et ça peut durer des mois, jusqu'au moment où les gens se lassent et qu'ils retournent à un certain tra-tra quotidien. Mais là, ce soir, je suis seul, sur la plage. J'ai atterri ici d'une façon complètement miraculeuse. Et maintenant, je me demande bien, comment j'ai pu faire? Ça s'est passé si vite pourtant. J'étais sur mon téléphone en train de passer le temps. Je regardais tranquillement une petite série. Quand j'ai entendu quelque chose qui avait tapé dans mon bateau, celui-ci en a même tremblé. Mais rien de bien méchant. Pas de quoi me faire tomber à l'eau non plus. J'ai mis pause ma série. Et j'ai regardé vite fait qu'est-ce qui aurait pu me percuter comme ça. Bon, ce n'est pas rare de voir des phoques par ici. Et eux aussi, dans le noir, ils ne voyaient pas grand-chose. Après avoir scruté l'eau pendant plusieurs minutes, avec l'aide de ma lampe torche, il n'y avait absolument rien. J'en ai donc convenu que ce n'était qu'un phoque, et qu'il était très certainement reparti. Mais avant même de m'asseoir, j'ai senti une nouvelle secousse, plus violente cette fois-ci. Comme si que quelque chose avait bien l'intention de me faire comprendre que oui, il était là. J'ai donc une nouvelle fois sondé la surface de l'eau. Et c'est là que j'ai commencé à voir quelque chose de rose, passé à toute vitesse, quelque chose de long et qui avait un aspect vraiment dégueulasse. J'ai vu un peu de tout sur ce lac. Vous imaginez bien, avec les vidéos qu'on voit sur YouTube, le monstre avait déjà été confondu avec tous les objets et tous les animaux qu'il y a dans le coin. Un cerf, un tronc qui flotte, un phoque, très souvent même des phoques. Mais là, c'était vraiment la première fois que je voyais ça. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Bien sûr, par prudence, j'ai essayé de rejoindre la rive. Après tout, c'était peut-être une algue, une immense algue. Et si elle serait coincée dans mon hélice, j'aurais été bien emmerdé pendant plusieurs heures.
mais je n'ai même pas eu le temps de repartir. Encore une fois, une autre secousse. Et cette fois-ci, cet objet mystérieux est sorti de l'eau et a commencé à tapoter mon bateau. J'ai enfin pu voir ce que c'était. C'était un tentacule, un gigantesque tentacule. J'étais tellement surpris de voir ça. J'ai même cru que je rêvais. Sur le coup, c'était impossible. Ça ne pouvait pas exister. Non, pour moi, j'étais dans un rêve. Un rêve que j'étais sûrement en train de faire après avoir regardé un petit peu trop de séries japonaises. Mais quand cet immense bras tentaculaire a commencé à frapper et à briser mes affaires, j'ai rapidement compris que non, je n'étais pas en train de rêver. Et cette chose, quoi qu'elle soit, était simplement en train de me chercher. Elle ne pouvait pas me voir, bien sûr. Elle était sous l'eau. Alors elle avança à tâtons, en espérant sûrement pouvoir mettre la tentacule sur son prochain repas, dans un élan de lucidité que je ne me connaissais même pas moi-même. Je me suis rapidement enfermé dans la cabine, me mettant provisoirement à l'abri. Mais qu'est-ce que j'ai pu croire? Cette chose était immense. Très rapidement, un deuxième tentacule est arrivé, et lui aussi a commencé à tapoter le bateau, afin de me chercher. Puis un troisième, un quatrième, un cinquième, une véritable vision d'horreur. Comme je l'ai dit plus tôt, tout ça s'est passé très très vite, quand l'un d'entre eux a attrapé ma cabine. Il a commencé par la serrer de toutes ses forces, faisant éclater les vitres en morceaux. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas recevoir de bout de verre dans la figure. Et dans un dernier élan de courage, j'ai ouvert une petite trappe qui permettait d'accéder à la machinerie de mon bateau. Techniquement, elle n'est pas conçue pour cacher quelqu'un. Mais là, c'était à quatre forces majeures. Je me suis littéralement plié en quatre pour entrer dans ce petit espace. Mais avec un peu de patience, j'ai réussi. Puis je suis resté en position fœtale pendant plusieurs minutes, entendant cette créature qui ne cessait de taper partout. Il ne lui a pas fallu longtemps pour arracher définitivement la cabine du bateau. Et elle devait être sûrement très en colère de ne pas me trouver. J'étais tellement effrayé. J'étais coincé là dans ma petite cachette. Et s'il avait l'intention de couler mon bateau? S'il voulait la briser comme une coquille de noix? Après tout ce qu'il venait de faire, ça ne serait pas dur pour lui. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. C'est là que j'ai entendu quelque chose perforer la coque. Quelque chose de très puissant. Certainement son bec, qui devait mordre ici et là pour soulager sa colère. Comment je m'en suis sorti déjà? Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Ça y est, c'est un autre bateau qui est passé dans le coin. Qui exactement, je n'en ai vraiment aucune idée. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Tout ce que je sais, c'est que le bruit de son passage a fait lâcher prise à cette créature. Puis il s'en est pris à lui. J'ai simplement attendu quelques minutes, puis j'ai quitté ma cachette, et j'ai quitté ce qu'il restait de mon pauvre bateau, en sautant tout simplement à l'eau. J'ai pris un gros risque et j'avoue que je n'ai pas trop réfléchi à ce moment. Je voulais juste partir très loin d'ici. Une chance pour moi, j'étais très bon nageur. Mais j'avais tellement peur. Peur que cette chose remarque ma présence et qu'elle décide de finir ce qu'elle avait commencé. Mais une chance pour moi, me voilà, sur cette plage. Après 10 minutes d'angoisse, à nager dans des eaux extrêmement noires, j'ai réussi à survivre à l'horreur. Alors oui, maintenant je suis convaincu. Ce lac habite réellement un monstre. Après, il est peut-être de passage. On n'a jamais vu de calamar géant. Enfin, je suppose que c'est ça. Mais on n'en a jamais vu par ici. Je sais que ces animaux voyagent beaucoup. Alors il est là, coincé dans ce lac. Combien de temps va-t-il rester? Je ne sais pas. Combien d'autres marins va-t-il dévorer? Aucune idée. Mais pourtant, il va falloir que j'essaye d'expliquer aux autres pourquoi le lac est devenu dangereux. Que tout ce qu'on avait déjà entendu, toutes ces histoires à dormir debout sont vraies. Elles sont vraies à partir de maintenant. Le danger n'existait pas. Il n'y avait pas de monstre. Mais maintenant, le fameux monstre du Loch Ness, dans le lac qui porte le même nom, existe. Et si je peux prévenir du plus gros danger, c'est que ce monstre a vraiment, vraiment très faim. Bonjour à vous. Est-ce que c'est vous, les mortels, qui écoutez nos histoires? Si vous les aimez, avec moi, vous allez être servis. Prenez un siège, on va en avoir pour un moment. Je m'appelle Lilith
et je suis une démone. Vous devez certainement vous demander pourquoi il y a un démon ici dans cette taverne. Mais surtout, suis-je la grande Lilith, la reine des enfers et des démons? Pas totalement, non. Je suis l'une de ses filles, celle qui aurait dû reprendre le titre de reine à la mort de celle-ci et gouverner sur les enfers. Dommage pour moi, cela ne sera jamais le cas. Mais laissez-moi vous raconter cela. C'est arrivé il y a plus de 2000 ans. À cette époque, les hommes vivaient tranquillement sur la terre. Mais il leur fallait quelque chose pour leur donner espoir. Comme un guide, quelqu'un qui pouvait suivre pour aller de l'avant. Le ciel leur a donné et celui-ci allait bientôt arriver. Mais en enfer, il était hors de question qu'une telle chose n'arrive. Alors, notre maître a rassemblé une très grande armée pour arrêter ce qui aurait pu être notre perte. Ma mère aurait dû en faire partie, mais elle n'a jamais été très courageuse. Elle m'a donc choisie pour la représenter sur Terre. J'étais jeune et naïve, alors j'y suis allée, sans même réfléchir, quelques minutes. Dans l'urgence de la situation que nous avions appris à la dernière seconde, peu d'entre nous étaient prêts pour cela. L'élite de l'enfer est bien sûr venue avec nous, mais juste pour protéger le maître. Je me souviens encore d'avoir eu juste le temps d'enfiler l'armure de ma mère et de prendre son épée. J'ai dû partir sans même dire au revoir à mes frères et sœurs. Je dois bien l'avouer, c'est sûrement ce que je regrette le plus. Puis, nous sommes montés sur terre, à travers les failles creusées par les géants démons esclaves. Il n'a fallu que quelques minutes à toute l'armée du maître pour sortir et de prendre ainsi position dans une grande plaine, prêt à avancer dans le monde des mortels pour y faire régner le chaos. Moi, j'étais dans les dernières à sortir. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi, un dernier regard sur mon chez-moi, là où était ma place. En sortant des enfers, la lumière des flammes qui était si chère à mon cœur avait été remplacée par la lumière du soleil. Celui-ci m'a complètement ébloui et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire, même si j'étais la princesse des enfers. Je n'attendais pas à une grande arrivée glorieuse pour ma part, dans le style tapis de sang, je veux dire tapis rouge. Mais j'aurais préféré ne jamais voir ce qui se tenait devant moi. J'ai d'abord entendu plusieurs des nôtres hurler « Ils arrivent, préparez-vous !» Puis quand j'ai enfin pu y voir quelque chose, la guerre avait déjà commencé. Ce n'étaient pas les hommes qui nous attendaient. Même si nous étions prêts à les affronter et à les massacrer. Mais le ciel avait eu vent de notre arrivée, sans mauvais jeu de mots, et nous attendait de pied ferme. Avec notre pauvre organisation et notre trop grande confiance en nous-mêmes, une partie de notre armée avait déjà péri dans les premières minutes qui ont suivi l'assaut. Je vois encore les miens tomber sous les coups de ces barbares venus du ciel. Les anges, comme vous les appelez, vous dites qu'ils vous protègent, qu'ils sont gentils, et j'en passe. Mais quand vous les voyez se battre avec une telle force et si grande rage, on ne peut que se demander. D'où peut-il bien leur venir cette image de créature parfaite, prête à tout pour le bien? En quelques secondes, l'un d'entre eux se jetait sur moi. Il avait sûrement dû me prendre pour ma mère, vu que je portais son armure. Mes gardes du corps se sont interposés pour me protéger, mais même à 10 contre 1. Quatre d'entre eux ont perdu la vie pour venir à bout de ce colosse ailé. Seul notre maître arrivait facilement à se débarrasser d'eux. Au vu de sa force et quand il vit que tous ses enfants tombaient sous le coup des anges, il prit rapidement la décision de se débrouiller seul. Il ordonna à sa garde d'élite d'aller aider au reste des troupes pour essayer d'équilibrer la balance en notre faveur. Mais l'armée des cieux ne cesse de grandir et de nous submerger. Jusqu'au moment où il arriva, un ange plus grand que les autres fit son apparition. Je me souviendrai toujours de lui, grand, les cheveux longs et dorés, recouverts d'une armure flamboyante et d'une immense épée de feu. C'était lui, Michel, l'un des plus grands ennemis de notre maître, l'un des puissants archanges. Michel avança lentement dans la mêlée et faisait disparaître les nôtres qui passaient à sa portée. Il les humiliait avec de très légers coups d'épée, comme s'il les tuait sans même porter attention à eux. Il avançait dans la direction de notre maître, tout en lui faisant comprendre
que nous n'étions rien pour lui. La garde d'élite s'est vite jetée sur lui, afin d'essayer de l'arrêter. Mais même eux, les plus puissants démons de l'enfer, ne firent pas le poids face à lui. En quelques minutes, il avait à lui seul détruit la moitié de notre armée, avant son duel final. Notre maître et lui se sont jetés l'un sur l'autre en même temps, et livré le plus terrible et magnifique duel que je n'ai jamais vu de ma vie, à coups d'épée si puissants que nul mortel ne pourrait imaginer. Plus personne ne continuait le combat, ni les anges, ni les démons. Tout le monde comprit alors que ce duel serait décisif pour l'issue de cette guerre. Après un combat des plus mémorables, notre maître reçut un coup dans l'épaule, ce qui le mit à terre. Michel s'apprêta à lui porter le coup de grâce, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Il était tout pour nous. Il nous a créés et donné un monde où vivre. J'ai donc fait la seule chose que j'avais à faire. Je me suis interposée, et d'une façon que je serais incapable d'expliquer. J'ai réussi à parer son attaque. J'ai essayé de profiter de cet effet de surprise, et je l'ai immédiatement contre-attaqué en le frappant de toutes mes forces. Mais l'épée de ma mère n'était pas faite pour affronter ce qui doit être le plus puissant des archanges. Ma lame explosa en des centaines de fragments au contact de son armure. Quand il comprit mon geste, il me frappa avec son épée et me transperça le ventre. Il me regarda quelques secondes, puis me laissa tomber par terre, comme si je n'étais rien, ni personne. La suite est un peu floue. Je me souviens de les avoir vus continuer à se battre, encore quelques minutes. Puis, ceux qui restaient des miens prirent la fuite, en repassant par les failles d'où nous étions venus. J'aurais pu mourir sur place, et mon esprit aurait pu les suivre, pour que je puisse rentrer chez moi et y être ressuscité par ma mère. Mais ma longue agonie sur cette terre m'a fait rater le passage, et je n'avais plus la force d'y retourner seule, ni à ce moment, ni même maintenant. Quand tout fut terminé, j'ai passé plusieurs siècles à me venger sur les mortels, qui étaient, à mes yeux, en partie responsables de la mort des miens, et hantés des lieux qu'ils aimaient tant. Mais depuis peu, cela m'ennuie beaucoup. Je me suis donc mis à la recherche d'une nouvelle activité, et puis je suis tombé sur cette taverne. Ce ne sera jamais comme chez moi, mais l'alcool y est bon, et les hommes y sont agréables à regarder. Et puis j'ai l'avantage d'y être la seule esprit démon, et je dois bien avouer que cela me plaît beaucoup. Avouez-le, vous ne me trouvez pas irrésistible? Je parle et je parle, mais l'heure tourne, et vous avez encore plusieurs fantômes à aller voir. Après tout, il y a toujours de bonnes histoires à écouter ici, dans la taverne des morts. Bon, est-ce que tout est prêt? Voyons voir. Mon costume, il est nickel. Ouais, c'est bon, ça fera l'affaire. Mon discours, il est où mon discours? Ah, il est là. Panique pas, ça va bien se passer. Respire. C'est pas comme si tu recevais les gens les plus importants qu'il peut y avoir. Ça va aller. Allez, t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai l'impression que je vais littéralement exploser de l'intérieur. Mais allez, bon. Pense pas. Allez, on y go. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui sont présents ici, car je sais que beaucoup d'entre vous ont fait un déplacement d'un pays très lointain. Alors, je vous remercie énormément à tous les dirigeants suprêmes de la tribu des elfes. Des orques, des nains, des gobelins, et des hommes, voyons. Voyons, c'est pas parce que j'en suis à moi-même que je dois forcément l'oublier. En gros, merci à tous d'être venus. Je me présente, William Davis. Et, comme vous devez le savoir, vous êtes ici pour que je vous parle de ce nouveau projet, cette immense usine de production de viande, que je lance et qui, j'espère, saura vous séduire pour vendre mes produits
partout à travers notre magnifique monde. Comme vous avez déjà lu dans les brochures, mais un petit rappel, on ne sait jamais, cela ne fait jamais de mal. La grande majorité de nos produits sera fournie en boîte de conserve, qui seront des viandes de très très bonne qualité, et qui sera agrémentée tous vos plats. Une nourriture très riche en protéines et en calories, mais très pauvre en gras, ce qui ira parfaitement pour chacun d'entre vous, qu'importe votre race et qu'importe où vous vous trouvez. Ma secrétaire ici présente a dû vous faire une visite de l'entrepôt, et surtout de notre abattoir Dernier Cri, que nous avons aménagé tout spécialement pour recevoir les futurs animaux qui composeront la grande majorité de notre production. Mais beaucoup d'entre vous se questionnent encore sur quel sera cet animal qui sera utilisé pour la production de cette viande. J'y viens, j'y viens. Avant cela, laissez-moi vous poser une petite question qui, je pense, saura vous donner la réponse. N'en avez-vous pas marre de devoir vous lever tous les matins et ramasser vos ordures qui ont été traînées dehors par vous savez quel animal? Ah, je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà compris de quoi je parlais. Est-ce que vous en avez assez de voir au journal d'information, ou même sur Internet, que les champs ont encore été bousillés par eux, que les granges, les fermes et tout autre bâtiment agricole ont encore été la proie de leur vandalisme? N'en avez-vous pas marre que vos citoyens, qui rentrent tranquillement de chez eux après une grosse journée de travail, les percutent avec leur voiture, causant ainsi chaque année des millions d'accidents partout à travers le monde, des milliers de blessés et des centaines de morts? Et surtout le principal, n'en avez-vous pas assez de devoir ramasser toutes leurs crottes qui traînent partout, aussi bien dans la campagne, dans les forêts, ou encore pire, dans les villes? Car oui, ces immondes créatures, depuis qu'elles ont cette faculté de pouvoir voler, après qu'elles se soient accouplées avec d'autres membres d'une autre espèce, passent maintenant au-dessus de nos grandes villes, nos mégalopoles, nos capitales, et pourrissent les rues. Alors maintenant, laissez-moi donc vous présenter la nouvelle créature que nous allons ici traiter afin de pouvoir produire cette viande de qualité. Mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement déjà compris, mais pour tous ceux qui cherchent encore, voici le plus gros nuisible de toute notre histoire. J'ai nommé la licorne. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Attendez, non, non, s'il vous plaît, rassiez-vous. S'il vous plaît, rassiez-vous, rassiez-vous. Voilà, s'il vous plaît. Oui, je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ne sont pas spécialement d'accord pour qu'on utilise les licornes afin de faire une production de viande intensive. Je sais parfaitement que beaucoup d'entre vous ont des religions assez strictes qui interdit la consommation de viande de licorne. Je le conçois, c'est un fait, car beaucoup ici présents, moi-même, considèrent ces animaux comme de vrais nuisibles, et manger des nuisibles n'est vraiment, vraiment pas bien vu. Je suis entièrement d'accord. Mais souvenez-vous de tous ces arguments que je vous ai cités. Après tout, messieurs, dames, nous sommes au 22e siècle. Nous devons, je dirais même, que c'est impératif que nous changeons nos alimentations, que nous réglons les problèmes un par un à la source. Alors oui, les licornes resteront quelque chose d'extrêmement mal vu, et cette nouvelle variété, les Pégases, ne donneront sûrement pas dans un premier temps envie à nos consommateurs d'acheter nos produits au magasin et de faire leur plat avec. Mais c'est à nous de changer les mentalités, car maintenant les temps changent. Pouvons-nous vraiment nous permettre d'être les difficiles? Je ne pense absolument pas. Et puis, je dois vous rassurer, même si les licornes restent un animal aussi sale, voire même plus que les cochons, cette usine en question sera capable de traiter sa viande dans les meilleures conditions requises, et surtout, d'en faire une viande de premier choix. Mais je parle et je parle. Ce que vous voulez, vous, c'est une démonstration, bien sûr. Et bien sûr, ce messieurs, dames, regardez juste derrière moi ce diaporama et admirez cette licorne se faire préparer devant vos yeux. Le procédé ne durera que 15 secondes maximum. Comme vous l'avez vu, un animal quelconque rentre d'un côté et une viande de premier choix en sort de l'autre. Alors, dites-moi, êtes-vous prêts ?
messieurs, dames, à déguster cette viande de premier choix, et surtout, de faire un pas dans l'avenir, même si celui-ci est littéralement un pas en direction de l'horreur culinaire. Tiens, vous revoilà. Alors, vous êtes toujours décidé à vouloir découvrir les merveilles de cette forêt? Tous les secrets cachés de Procéliante, ces créatures, ces mystères, ces monstres en tout genre, et je parle beaucoup, excusez-moi. Mais avant de vous présenter quelqu'un d'autre, déjà venez avec moi, nous serons sûrement un petit peu mieux là-bas. Vous allez comprendre plus tard. Voilà, nous sommes beaucoup mieux ici. Pourquoi ce coin? J'y viens. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de ce lieu. Mais plus précisément, d'où viennent toutes ces créatures? Car oui, vous imaginez bien que la licorne que vous avez vue plus tôt, et toutes les autres, le centaure, les gobelins et autres petites créatures, non, je ne vais pas vous dire tout de suite qu'est-ce qu'il y a. Ça, vous vous en doutiez un petit peu, mais il y a bien d'autres merveilles qui vivent ici. Mais d'où viennent-ils comme ça? Avez-vous déjà entendu parler des dimensions parallèles? Oui, sûrement, vous avez dû entendre des théories ou quoi que ce soit. Vous y croyez? Eh bien, vous devriez. Car sachez qu'ici, dans Brocéliante, cet endroit est magique. Ça, bien sûr, vous le saviez déjà. Mais si je devais donner une explication logique à cette magie, eh bien, il s'agit comme une dimension parallèle. Pour faire court, c'est un autre Brocéliante, où toutes les créatures qui s'y cachent vivent ici, actuellement. Elles sont là autour de nous. Nous, on ne peut pas les voir, et elles ne peuvent pas nous voir non plus. À la différence, c'est qu'elles arrivent à rentrer dans la nôtre très facilement. Nous, par contre, on ne sait pas encore le faire. Enfin, du moins si, on pourrait le savoir. Mais faudrait-il que des espères viennent ici, sachent pertinemment que cela existe, et cherchent à entrer dans cet endroit. Et croyez-moi que c'est pas de mal à veille. Je pense qu'aujourd'hui notre créature va faire son apparition. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'elle voulait le faire. Je l'ai déjà croisée plusieurs fois et... Ah oui! Oui, excusez-moi, j'ai pas fini mon explication. Non, je n'ai pas accès à cette dimension. Moi, je suis né ici, comme vous tous. La seule différence qu'il y a, c'est que moi, je suis mort. Mais autrefois, j'étais de chair sur ces terres. Donc ça ne compte pas, malheureusement. Et... Ah! Vous entendez? Tendez l'oreille. Écoutez bien, il se rapproche, et oui, le cri d'un oiseau. Attention, pas n'importe lequel, vous imaginez bien qu'ici, il ne s'agit pas que d'un simple petit rouge-gorge. Attendez, il arrive. Vous entendez encore? Oh, il est plus très loin maintenant. Regardez, le voilà. Et oui, vous l'avez reconnu. Il est grand, jaune, et il brille de mille feux. C'est un phénix. En effet, un magnifique animal. J'ai toujours adoré le regarder voler comme cela. Mais on dirait bien que... Oh merde! Vous voyez cette personne là-bas? Eh bien, oui. Il est sur son territoire. Plus exactement, dans le coin où il chasse. Le phénix sort toujours à la même heure. Et est seulement une seule fois par mois. Car il sait exactement quand est-ce qu'il va pouvoir trouver un animal sauvage. Qu'il pourra manger tranquillement chez lui. Et aujourd'hui, on dirait bien que l'animal sauvage, eh bien, ça sera ce pauvre malheureux. De quoi? Le sauver? Non, 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 vous êtes fou quoi? Je vous recommande pas, restez là à côté de moi. Regardez donc comment il lui tourne autour. Croyez-moi, cet homme est déjà mort. Ça y est, il plonge à pic et... Oh, ça doit pas faire du bien ça. Le pauvre bougre n'aura pas tenu longtemps, dis donc. Juste le temps de lui foncer dessus... et de le transpercer avec son bec. Mais que fait-il? On dirait qu'il essaye de faire cuire. Mais il est complètement fou. Est-ce qu'il a ne serait-ce que remarqué la sécheresse qu'il y a? Non, visiblement. Oh là là, il va mettre le feu à la forêt. Oh mais l'imbécile, il va mettre le feu à la forêt. Bah, ah bah oui. Ah bah maintenant il s'en va avec. Ah bah oui, c'est facile de tuer, mettre le feu et de s'en aller.
Où est-ce qu'il va? Oh, il retourne sûrement dans l'autre dimension. Je vous l'ai dit, il ne sort qu'une seule fois par mois pour chasser. Et là maintenant, ben le feu se propage. Et je crois que la forêt va avoir un petit peu de mal à se remettre de celui-ci. Beaucoup, beaucoup de mal. Vous pourriez me rendre un service, s'il vous plaît? Pourriez-vous rentrer chez vous et appeler ceux qui s'occupent des incendies, les... Comment vous les appelez déjà? Pompiers. Oh, à mon époque, c'était pas comme ça qu'on les appelait. C'était... Je sais plus, mais on n'a pas le temps. S'il vous plaît, sauvez cette belle forêt. Appelez-les, parce que là, je crois que ce stupide gros volatile aura fait vraiment, vraiment beaucoup de mal. Oui, fiston. Encore quelques-unes et je pense qu'on aura assez pour ce soir. Et même pour un très long moment. Regarde comment ton sac est bien plein. Franchement, j'adore. Tu es vraiment fort là-dedans. De digne fils de son père. Ah, j'adore Halloween. J'adore cette petite soirée. Et surtout, j'adore cette petite récolte. Oh, dis donc, mais qui vois-je? Vas-y, fiston. Continue sans moi, papa doit aller voir un vieil ami. Salut mon grand, comment vas-tu? Ah bah écoute, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Alors toi aussi tu fêtes cette super soirée? Oui, bien sûr, on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. Tiens, dis donc, c'est ton mini toi? Je l'avais pas vu depuis... Oh là là, je m'en souviens plus. Écoute, le mien est justement parti à cette maison pour faire une dernière demande ce soir. Pourquoi il ne le rejoint pas? On ne sait jamais. Oh là là, ils sont adorables à cet âge-là. Alors, qu'est-ce que t'as ramassé de beau, montre-moi. Oui, je vois. Oh, ah ouais, c'est des bonbons, ça, mine que rien. Ah oui, oh, j'adore cela. Oh, bordel. Oh, je t'envie tellement. T'as vraiment eu de très bons morceaux. Regarde-moi. Bon, oh, c'est vrai, il y a déjà de quoi faire, mais... C'est pas aussi bien que les tiens. De toute façon, d'aussi loin que je m'en souvienne, t'as toujours été le meilleur dans cette soirée. Ah, je vois que tu as eu aussi quelques bonbons. Ah bah écoute, on peut pas gagner à tous les coups. Et tiens, regarde nos fistons. Je crois que... Oui, c'est ça. La dame n'a visiblement pas de bonbons. Ah, dommage pour elle. Si elle savait à quel point la phrase « un bonbon ou un sort » a vraiment toute son importance avec nous. Maintenant, elle va devoir souffrir. Viens, on va se rapprocher un petit peu. On va pas louper ce spectacle, regarde. Nos deux garçons qui travaillent ensemble. Ça te rappelle pas notre jeunesse? Allez, juste un petit peu. On va les laisser faire. Mais non, t'inquiète pas, ça va pas les emmerder. Tiens, ça y est, il commence. Il l'attrape par l'avant-bras pour la faire sortir de chez elle. Un coup le sucre. Le mien lui arrache la main droite et le tien lui saute sur les pieds. Ah oh, oui, astucieux. Ah, c'est bien ça, tu lui apprends des bonnes choses. Au moins comme ça, elle peut pas sauver. Et oui, comme ça, sans sa main droite, elle peut pas appeler à l'aide. Enfin, du moins, elle peut pas utiliser son téléphone. Mais là, j'avoue qu'elle crie beaucoup. Non, c'est pas vraiment une bonne chose. Ah, voilà, ça y est. Il y en a enfin qui s'est décidé de lui arracher la gorge. Ouais, non, ils sont pas très rapides pour ce coup-ci. C'est vrai qu'ils ont bien commencé au début, mais ils ont pas été assez rapides. Bon, heureusement, il y a personne à ce temps-là. Mais la dame a hurlé quoi, 10 bonnes secondes, oui? Oh oui, elle aurait pu sonner l'alerte. Qu'est-ce qu'il fait, tiens, le tien? Ah, d'accord, il lui arrache les entrailles. Mais elle est pas encore morte? Tu préfères comme ça? Alors ça, j'ai jamais compris la petite différence qu'il pouvait y avoir sur des organes arrachés, vivants ou non. Oui, je sais, ça fait des siècles que tu me dis constamment, mais si, c'est un meilleur goût, mais pff, moi, je vois pas de différence. Hein. Ah, le mien était plus malin ce coup-ci, regarde. C'est lui qui a pris les yeux. Ah non, non, tu m'excuses, mais des yeux, t'en as un paquet dans ton sac. Alors, oh, tu peux m'en laisser deux quand même. Mais râle pas comme ça, voyons, je sais que tu les adores. Bon, écoute, tu sais quoi? Je prends les yeux de cette dame, et en échange, toi, tu prends la cervelle, d'accord? Bah voilà. Là, on est d'accord. De toute façon, tu sais très bien que j'aime pas ça, moi, la cervelle.
C'est trop pâteux, je trouve, en goût, mais chacun son truc. Voilà, ils ont enfin terminé. Bon, allez, viens, on va les rejoindre maintenant. Alors les enfants, dites-moi, comment c'était votre première soirée en solitaire? Je vois que, waouh, ah oui, vous avez apprécié, dis donc. C'est magnifique ce que vous avez fait. Enfin, il y aurait peut-être une petite chose ou deux à rectifier, mais dans l'ensemble, les gars, vous avez été extraordinaires, du grand art. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on met ça vite dans les sacs et on rentre chez nous. C'est pas que la dame a été bruyante et qu'elle risque d'attirer du monde. Non, vous inquiétez pas là-dessus, personne ne va venir. Ah oui, fiston, c'est vrai, je t'ai pas raconté. Eh bien écoute, fiston. La dame que tu viens actuellement de dépecer vivante, eh bien, il s'agissait simplement d'une nouvelle arrivante dans ce petit village. Tous les habitants locaux savent très bien que le soir d'Halloween, entre 2h et 3h du matin, quand quelqu'un vient sonner à la porte et qu'il réclame des bonbons ou un sort, il faut lui donner des bonbons. Ou sinon, le sort est terrible. Mais tu vois cette petite dame, elle devait être, je ne sais pas, peut-être anglaise ou... Enfin, qu'importe. Je n'ai pas très bien compris l'accent de là où on était. De quoi? Bah évidemment, quand vous surveillez, voyons. Mais non, t'énerve pas, voyons, fiston. T'es un homme, je sais très bien que t'es capable de faire ça. T'es capable de démembrer quelqu'un vivant, je sais très bien, mais... Même si nous sommes des monstres, ton papa t'aime quand même. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Bon, allez. Oh, t'es fâché? Mais non! Mais non, voyons. Bon, tu sais quoi? Est-ce que vous deux, ça vous dit de passer à la maison pour... Ben, pour manger tout ça? Ah, t'es d'accord? Eh bien, écoute, tant mieux. Ça fait tellement longtemps, dis donc. Ce soir, les gars, on se prépare un petit ragoût d'anglaise, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Un petit ragoût à l'anglaise. Et croyez-moi que vous allez plus qu'à... Ah! Attendez. Vous entendez ça? Oh oui. Oh oui, c'est un très jeune enfant qui est dans la maison. Vous croyez qu'il a quel âge? 1 an? 10 mois? Eh bien écoutez, à cet âge-là, ils sont très laiteux et particulièrement savoureux en bouche. Vous savez quoi, les gars? On va faire un petit jeu. Le premier arrivé dans le landau et qui revient ici avec la tête, eh bien, il sera promu mini-roi d'Halloween. Allez, vous êtes prêts? Pour le massacre de bébé, 3, 2, 1, et à mort le rejeton. Quelle belle soirée. Les enfants se promènent tranquillement dans la rue. Ils vont de porte en porte, ramassent des bonbons qu'ils demandent gentiment à leurs voisins qu'ils apprécient tant. Ils font des mini-concours entre eux pour savoir qui est le plus beau déguisement, le plus effrayant, le plus creepy, comme ils disent. Ah, c'est magnifique. J'adore les voir courir partout pour s'amuser comme ça. Ça me rappelle mon enfance, enfin, aussi loin que je m'en souvienne. Non, je faisais pas du tout ça. Qu'est-ce que je faisais déjà? Bon, qu'importe, ça s'est passé il y a tellement longtemps de toute façon. Par contre, étant chasseur de monstres, justement, il y a un petit détail qui me gêne dans cette fête. C'est pas vraiment la présence des enfants, loin de là, car de toute façon, les vrais monstres, enfin, créatures surnaturelles si vous préférez, sortant en général le soir quand beaucoup d'enfants sont rentrés chez eux. À cette heure-là, il n'y a plus que des ados, mais généralement, ils sont tellement bourrés ou défoncés qu'ils ne portent absolument pas attention à ce qu'il se passe autour d'eux. Non, le gros souci qu'il y a avec cette fête, c'est... Vu qu'ils sont tous déguisés en monstres, et qu'en plus, les déguisements se font de plus en plus réalistes, je fais comment, moi, bordel, pour savoir lequel c'est un monstre et lequel ça n'est pas un? Ils se ressemblent tous. Là, tout de suite, je chasse un zombie. Vous savez combien j'en ai vu de zombies? C'est infernal. Il n'y a que ça.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que la mode de The Walking Dead c'était fini. Il y a toujours une nouvelle merde. Soit c'est un Resident Evil, une nouvelle saison d'une série ou... C'était quoi déjà la dernière fois? Qu'est-ce que c'était la série là des zombies avec les Coréens? Je sais même plus quoi. C'est bon, j'ai pas le temps de suivre. Mais il y a toujours, toujours des zombies. Alors que moi, c'est ce que je chasse le plus pendant Halloween. Pourquoi? C'est un peu compliqué, disons que c'est un bon moment pour eux pour sortir, enfin, c'est compliqué, cherchez pas, c'est comme ça, c'est des emmerdeurs. Ils choisissent ce jour exprès pour m'emmerder parce qu'ils savent qu'ils se feront pas remarquer. Bon, mais moi, en tout cas, ça m'avance pas parce que lequel en est un, lequel n'en est pas, voyons. Est-ce que... Bon, lui par contre, non, il est beaucoup trop mal déguisé, c'est sûr, c'en est pas un. Mais lui là par contre, je serais prêt à parier que c'en est un. En plus, il bouge pas, il est tranquillement dans son coin. Ah oui, parce que, petite info, même si ça n'a pas une grande importance, mais sachez que les vrais zombies, eux, ne sont pas des débiles qui avancent les bras devant vous en disant « cerveau ». Ah non, non, c'est plus malin que ça, un vrai zombie. Ça attend bien tranquillement dans son coin que vous soyez seul, afin de vous sauter dessus pour vous dévorer. Attention, je dis que c'est malin, mais ils ont quand même leurs limites. Ne leur demandez pas de passer un concours de maths, ils y arriveront jamais. Mais lui là-bas, franchement... Oh non, j'en suis sûr que c'en est un. Oh, j'en suis sûr, certain que c'en est un. Bah allez, tant pis, je vais voir quand même. De toute façon, il y a quelqu'un là, voyons. Non, il commence à être un peu tard, là, les enfants sont presque tous rentrés. Bon, allez, non, j'y vais. Allez, on va bien voir ça. Eh bien, finalement, non, c'était pas un zombie. Eh, merde. Bon, il est pas mort, ça va, il s'est pris une bonne droite. Hein. Il se relèvera dans 2 ou 3 heures. Peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. J'ai frappé assez fort. Bon, ça arrive hein, de se tromper. Vous croyez quoi? Moi, en plusieurs nombreuses années, plusieurs siècles, je me suis trompé un petit paquet de fois. Hein. En plus, je suis en plein milieu rural, je peux déjà même pas utiliser une arme à feu et encore moins une épée. Certes, c'est Halloween, mais les gens sont pas cons. Ils savent quand même reconnaître une vraie épée ou un vrai fusil. Et puis, vous imaginez le raffut que ça va faire dans le voisinage? Non, on va se la jouer cool. Et puis, il faut voir le bon côté. Avec cet adolescent qui est sonné par terre, ça va peut-être attirer le vrai zombie. Un appât. Bon, c'est vrai, c'est pas beau de ma part. Déjà de l'avoir frappé, et déjà de l'utiliser comme un appât, parce qu'il peut très bien se faire bouffer là maintenant. Bah, j'improvise, hein, j'improvise, je vous l'ai dit, c'est pas facile moi ce soir-là. Moi personnellement, ça m'énerve tellement de devoir chercher pendant des heures, ça ne tiendrait qu'à moi, j'aurais déjà assommé tous les enfants dans le quartier qui se promènent en zombies. Mais j'ai pas le droit. Enfin, ce qui paraît, c'est pas légal. Ah, et... Ah bah tiens, le voilà! Le voilà notre zombie! Oui, vu la gueule qu'il a, celui-là, le... Non, c'est vraiment le zombie. Bon, par contre, je me dépêche parce qu'il va finir par bouffer l'autre. Et voilà, sans égratignure, sans même une goutte de sang et... Oh merde, si, je m'en suis mis dessus. Erk, c'est dégueu et en plus ça pue. Oh, c'est pas de première fraîcheur, hein. Celui-ci, ça devait faire un moment qu'il traînait comme ça. Oh, quelle horreur, et ça part pas en plus. Oh, bon, ben, va falloir que je brûle cette veste. Putain, mais je l'adorais pourtant. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'en ai 150 autres exactement pareils. Oui, parce que tant qu'à faire, quand moi je vais dans un magasin, j'achète plusieurs fois de suite le même vêtement. Bah oui, je change pas de taille. Je ne grandis pas et je ne rétrécis pas, contrairement à vous. Et je ne grossis pas non plus. Donc, pourquoi m'emmerder la vie? Bon, eh bien avec tout ça, j'ai un zombie à me débarrasser. La technique habituelle, un trou, je l'incinère, je rebouche, et voilà, c'est bon, il n'y a plus rien. Petite note très importante, toujours incinérer un zombie. On ne sait jamais si vous avez frappé assez fort. Il faudrait pas qu'il se relève. Ce serait dommage. Et surtout, ça fait une sale réputation.
Vous faites le travail à moitié, la bestiole se réveille, et elle est super vénère, elle bouffe encore plus de monde. Non, c'est pas pro pour les affaires. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je termine ça. Et voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bah écoutez, rien de bien spécial. Je vais pouvoir prendre un petit moment tranquille pour moi, juste avant la prochaine alerte. Et merde, j'ai parlé trop vite. Bon, ben, je viens de recevoir un SMS. Il y a encore quelque chose qui m'attend. C'est quoi? C'est un. Il ne sait même pas lui-même. Eh ben, ça, c'est du pro, ça. J'ai des informateurs pour chercher les monstres ici et là, un petit peu partout. Il en a repéré un. Il sait même pas ce que c'est. Eh ben, je vais m'amuser. Bon, sur ce, je me débarrasse de celui-ci. Et je repars. Faudra vraiment que je prenne des vacances un jour. Ah mon cher ami, depuis combien de temps on se connaît toi et moi? Des années sûrement. Des années que toi et moi on travaille dans la même boîte, qu'on traite les mêmes affaires. Mais bien sûr, pas dans le même domaine. Moi, j'inspecte les travaux finis, et toi, eh bien, tu es en charge des équipes sur place. On se complète bien quand on y réfléchit. Rien qu'à nous deux, je suis sûr qu'on a dû bâtir la majorité des bâtiments municipaux de cette ville, si ce n'est plus. Oh oui, qu'est-ce qu'il ferait sans nous? Bon, d'accord, je vais t'avouer pourquoi est-ce que je t'ai proposé cette petite balade comme ça de nuit. Bien, je voulais juste qu'on soit tranquille. Tout simplement, à profiter comme ça le long de cette rivière. Regarde, la nuit est tellement belle. Bon, d'accord, c'est juste une petite promenade nocturne, et après, promis, on ira dans ton bar préféré. Et si ça se trouve, la serveuse que tu aimes tant y sera peut-être. Et tiens, en parlant de cela, tu en es où avec la fille du bureau? Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Julie, c'est ça? Oui. Oui, tu n'arrêtais pas de nous parler d'elle. Qu'est-ce que ça devient finalement? Ah, ça n'a pas tenu. Quel dommage. Vous aviez l'air d'aller si bien ensemble. Dis-moi, est-ce que je peux te raconter une histoire? Oh, rien de bien méchant, bien sûr. Je sais pas, c'est l'ambiance. Ça me rappelle tout ça. Tu vas comprendre. Ça s'est passé il y a... Oh, sûrement 80 ans maintenant. Voire même plus. Oh oui, sûrement plus. Ça s'est passé dans une ancienne entreprise qui, de nos jours, n'existe plus. Son directeur était quelqu'un de très... puissant, si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un de très influent, qui pouvait littéralement changer la vie d'un homme en un claquement de doigts. Et puis, il y avait aussi l'homme de l'ombre, son adjoint. Lui, par contre, tout le monde n'en avait rien à foutre. C'est à peine si les gens le connaissaient. La timidité? Non, pas du tout, il n'était pas timide. Non, c'est juste que le directeur était peu partageur de sa célébrité. Il aimait dire à tout le monde qu'il avait construit cette entreprise de par lui-même et qu'il n'avait besoin de personne. Seulement, pas de chance pour cet homme, car un jour, malgré son âge, un peu avancé quand même, dans la cinquantaine, il tomba amoureux d'une jeune femme, nommée Élise. On raconte qu'elle était si belle, qu'il était quasiment impossible de lui résister. Mais Élise, elle ne voulait pas du directeur. Oh non, ce n'était vraiment pas son type d'homme. Malgré sa richesse et son influence, il ne l'intéressait absolument pas. Mais tu imagines bien que cet homme ne supportait pas être refusé. Oh non. Il fit donc quelques recherches pour découvrir qui était cette Élise, afin d'essayer de l'impressionner. Qu'est-ce qu'elle aimait? Et tout autre chose. Et qui l'eût cru? Élise était la fille de l'adjoint du directeur. Ah, tu t'y attendais? Oui, c'est peut-être un peu cliché, excuse-moi. Mais pourtant, c'était bien réel. L'adjoint aurait pu dire au directeur: non, s'il vous plaît, monsieur, n'approchez pas ma fille. Vous voyez bien qu'elle a 30 ans de moins que vous. Mais là non plus, il n'en fut rien. Au contraire même, il incita Élise à se rapprocher du directeur, afin d'essayer peut-être sortir de l'ombre ou je ne sais quoi encore. Quelle folie a pu traverser l'esprit de cet homme? Ça, personne ne le saura jamais. C'est donc sous la contrainte que Élise a dû familiariser, si tu vois ce que je veux dire, avec le directeur. Ils ont eu plusieurs rendez-vous amoureux, se sont rapprochés de plus en plus, jusqu'à ce que Élise tombe enceinte de lui. Lui donnant ainsi la seule chose qu'il n'avait jamais pu avoir, malgré son immense fortune. Quelqu'un qui reprendra la boutique. Un héritier à son immense empire financier. Peu de temps après,
Élise emménagea chez le directeur. Toutes les femmes de la ville, et même de la région, l'enviaient énormément. Elle pouvait connaître la vie de château, ne plus jamais avoir besoin de travailler. Et cela coulait douce, jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour elle, au contraire, c'était une véritable prison. Elle ne pouvait presque rien faire. Il fallait toujours qu'elle soit classe, qu'elle soit bien aux yeux de tous, qu'elle porte les plus belles robes, qu'elle soit parée des plus beaux bijoux, qu'elle fréquente les meilleurs établissements possibles, et qu'elle ait le meilleur entourage qu'il puisse avoir. En d'autres termes, une liste d'amis que le directeur lui avait préalablement préparée. Et si tu te poses la question, non, ils ne se sont jamais mariés. Oh non, pas que le directeur n'en avait pas envie. Loin de là. Tu sais, dans le fond, mon ami, le directeur, il n'était pas spécialement méchant. C'était juste un vieil homme, avec un sale caractère, c'est un fait. Mais il faisait tout pour Élise. Il faisait tout pour qu'elle soit heureuse. Pas de la bonne façon, je le conçois. Mais il a tout fait pour elle. Si tu dois blâmer quelqu'un, ça serait plutôt son père. Lui, par contre, il n'en avait que faire du bonheur de sa fille. Il voulait à tout prix avoir la reconnaissance qui lui était due depuis toutes ces années. Mais passons, je retourne à mon histoire. Le jour de la naissance de son fils, Julie ne pouvait plus supporter cette vie. Cette vie de prisonnière, qui lui était maintenant insupportable. Comprenant qu'elle ne retrouverait plus jamais la liberté qu'elle avait avant, et de plus, qu'elle ne pourrait même pas donner l'éducation qu'elle avait toujours rêvé de donner à ses enfants, elle décida de prendre la fuite avec lui. Elle s'enfuit donc en pleine nuit, et courut à travers champs comme cela pendant des heures et des heures. Où est-ce qu'elle est arrivée, ça? Personne ne le sait. Je sais, excuse-moi. C'est vraiment une triste histoire que je te raconte. La soirée est tellement belle et je crois que... je crois que je l'ai complètement pourrie. Tiens, tu entends? Qu'est-ce que c'est? On dirait... une dame qui pleure? Ah oui. Tiens, viens avec moi, on va voir. C'est là-bas, regarde. Regarde le long de la rivière. Ah oui. Il y a une dame, elle est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'elle fait? Putain, on voit pas grand-chose dans le noir. Regarde, elle est penchée au-dessus de l'eau. Peut-être qu'elle a fait tomber quelque chose, comme son téléphone ou je ne sais quoi. Mais écoute, tu m'avais dit qu'avec Julie, ça avait pas fonctionné. Eh bien, va aider cette dame. Oh mais non, arrête, fais pas trop timide. Regarde, on dirait presque un petit conte de fées. Toi qui arrives en chevalier servant, qui part aider la dame en détresse. Allez, je suis presque sûr qu'on va pouvoir l'emmener avec nous au bar après. Allez, vas-y champion. Une nouvelle belle rencontre t'attend. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Si tu savais à quel point que tu t'es foutu dans la merde. Ah, ça y est, tu viens juste de le réaliser. Et non, désolé pour toi, mais je ne t'ai pas raconté toute l'histoire de Élise. Elle n'a pas disparu. Elle s'est juste donné la mort à elle et à son petit. Tu n'as jamais été très fort dans les légendes. Même de là où je te vois, tu sembles ne pas comprendre ce qu'il t'arrive. Eh bien, sache que pour cet acte ignoble, Élise a été punie et est devenue une lavandière de nuit. Elle devra donc tous les soirs laver comme cela, inlassablement, le linge de son fils, qui est maculé de son sang. Et toi, maintenant qu'elle t'a attrapé, tu vas devoir l'aider, pour l'éternité. Ah oui, j'y pense. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Même si je sais maintenant, tu ne m'entends plus du tout. Eh bien, sache que Julie était l'une de mes meilleures amies. Et non, elle ne voulait pas de toi. Non, elle ne voulait pas que tu l'emmènes dans cette chambre d'hôtel l'autre soir. Et non, elle ne voulait vraiment pas de la soirée que tu lui as proposée, du moment que vous avez passé dans le lit ensemble, disant que cela est une petite vengeance pour une femme qui aujourd'hui s'est sentie tellement humiliée qu'elle n'a même plus le courage de pouvoir le faire elle-même. Alors maintenant, va brûler en enfer, sale pourriture. J'ai fait la plus horrible des découvertes. Tout ce qu'on croit savoir sur la magie de Noël
Les lutins, le Père Noël, les belles décorations, la bonne ambiance et tous les autres merdiers qu'il peut y avoir. Eh ben en fait tout ça c'est faux. La seule chose qui est vraie, c'est toute la partie superficielle. Tout ce que nous, nous fabriquons. Ou alors que nous achetons. Mais laissez-moi vous expliquer, car dit comme ça paraît complètement stupide. Je ne vais pas vous donner mon nom, mais appelez-moi Monsieur N si vous voulez. N comme... Eh bien comme Noël. Cette fête qui restera gravée dans mes mémoires pour quelque chose d'abominable. J'ai fait l'horrible découverte en début décembre. J'avais mis depuis quelques jours une caméra dans la chambre de mon fils. Non, je ne voulais pas le surveiller, il n'a que 2 ans. C'était plutôt pour mes chats. L'un d'entre eux a pris la sale manie de se soulager sur le tapis de mon fils. Mais, ne sachant pas c'était lequel, je n'allais pas tous les punir. Alors j'ai essayé de le prendre la main dans le sac. Enfin, la patte dans le sac si vous préférez. Mais dans la nuit du 1er décembre, j'ai commencé à voir quelque chose dans les enregistrements de la caméra. Qui, bien sûr, tournait toute la nuit. À la base, c'était quelque chose de tout petit, de discret, qui restait là bien sagement dans un coin. Qu'est-ce que ça pouvait être à ce moment? Je n'en avais, mais vraiment... vraiment aucune idée. C'était si petit, si insignifiant. Ça aurait pu être un jouet ou n'importe quoi d'autre, une peluche ou je ne sais quoi. Mais ce n'était pas possible. Cette chose, quoi que c'était à ce moment-là, bougeait. Tout doucement, très lentement, mais elle bougeait. Elle se dirigeait bien sagement vers mon fils et elle restait là à le regarder. Et rien d'autre. Simplement le regarder. La première fois, j'ai simplement pensé à un bug technique ou une anomalie. Après tout, la caméra que j'utilisais ne datait vraiment pas d'hier. Alors, je me suis permis de lui laisser le bénéfice du doute. Mais chaque soir, je la laissais au même endroit. Et systématiquement, elle enregistrait exactement la même chose. Cette petite silhouette qui se rapprochait de plus en plus tous les soirs. Afin d'avoir une meilleure vue sur mon fils, qui lui dormait tranquillement dans son lit. C'est à partir du 10e jour que cette silhouette a fait quelque chose de nouveau. Au lieu de regarder simplement mon fils dormir, elle a tourné la tête en direction de la caméra. Je pense qu'elle n'y avait pas porté attention depuis le début. Mais ce soir-là, elle a vu qu'elle était observée. Cette chose s'est donc rapprochée. Et c'est là que j'ai pu voir son visage pour la première fois. Son horrible, immonde visage. Comment vous le décrire sans vous faire peur? Eh bien, vous voyez les fameux lutins du Père Noël. Ces petites créatures mignonnes, adorables, qui fabriquent les jouets tout du long de l'année. Eh bien, vous prenez la même chose. Vous la transformez en l'une des pires créatures qu'il peut y avoir. Comme un véritable monstre sorti des enfers ou de votre pire cauchemar. Eh bien, même cette définition, ça ne sera pas suffisant pour vous imaginer avec exactitude. Qu'est-ce que j'ai pu voir ce soir-là? Mais vous imaginez bien que les jours qui ont suivi, il était hors de question que mon fils dorme tout seul. Après avoir passé plusieurs jours à fouiller sa chambre de A à Z, j'ai tout simplement déménagé son lit. Et depuis ce jour, il dort encore avec moi. Oui, juste avec moi, car je suis célibataire. Ma conjointe m'a quitté il y a peu. Et je n'ai vraiment pas la tête à retrouver quelqu'un d'autre en ce moment. De toute façon, j'ai vraiment pas le temps. Vous imaginez bien qu'élever un enfant tout seul, c'est déjà pas facile. Mais alors en plus, si je dois le protéger de je ne sais pas quoi... Enfin bref. J'ai continué à faire tourner la caméra dans sa chambre pendant 3 jours de suite, en espérant ne plus voir la créature y apparaître. Et c'était le cas. Elle n'y était plus. J'étais rassuré. Soulagé même. Je me suis dit, ça y est. Ce petit cauchemar est terminé. Peut-être que cette créature est partie voir ailleurs. Certes, elle ne s'est jamais montrée agressive, mais je ne voulais prendre aucun risque. Pourtant, j'avais quand même un petit doute. Je me suis dit, et si ça se trouve, peut-être qu'il l'a suivi. Cette pensée m'a terrifié, mais je ne pouvais pas l'oublier. Alors le soir même, j'ai installé la caméra dans ma chambre, et je l'ai ainsi fait tourner toute la nuit. Résultat, la créature était bien là. Elle aussi avait suivi le mouvement. Elle était dans ma chambre. Et elle a continué à surveiller mon fils, tous les soirs, en jetant un petit coup d'œil de temps en temps dans la direction de la caméra, et parfois même sur moi, quand je bougeais ou ronflais un peu trop fort à son goût. J'étais dépité, détruit, démoralisé. Qu'est-ce que je pouvais faire?
Je savais bien que je ne pouvais pas partir. Enfin, si, je pouvais. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Elle nous aurait suivis. Même si je ne pouvais pas le prouver, j'étais sûr qu'elle nous aurait suivis. Alors j'ai décidé de faire dormir mon fils avec moi, dans mon lit, en espérant que ma présence, juste à côté de lui, arrive à faire comprendre à cette créature qu'elle ne doit surtout pas l'approcher. J'aimerais bien vous dire que je n'ai pas dormi des nuits, que je suis resté là à le protéger. Mais j'ai toujours eu le sommeil très facile et extrêmement lourd. Je ne pouvais que subir l'inévitable. Je m'endormais tous les soirs en sachant pertinemment que cette créature allait venir et nous regarder dormir toute la nuit. Elle partait à peu près dans les alentours de 6h du matin. Pourquoi, je ne sais pas. Il faisait encore nuit dehors. Et en ce moment, je ne travaillais pas. Je n'avais pas de réveil qui me levait à cette heure-là. Mais bon, ce sont des détails que je n'aurais pas de réponse. Oh oui, je vous rassure. J'ai pensé à essayer d'appeler la police, de leur montrer la vidéo, de la publier sur Internet. Mais à quoi bon? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Au secours, monsieur l'agent, une créature microscopique vient me regarder dormir la nuit? Oui, nous sommes tous d'accord. J'aurais rapidement fini chez les fous. Finalement, tout s'est arrêté le soir du 23 décembre. Ce soir-là, la créature nous a regardé dormir toute la nuit, comme d'habitude. Puis elle s'est approchée de la caméra, avec toujours ce même regard ignoble, que j'ai pu voir d'encore plus près cette fois-ci. Et elle a chuchoté « Vous êtes sur la liste des enfants sages. » Mais de quelle liste parlait-elle comme ça? Est-ce que ça pouvait être la liste du Père Noël? Est-ce que c'était un lutin du Père Noël? Non. Non, ça n'existe pas. Non. Non, c'est pas vrai. Me suis-je dit ce jour-là. Et vous savez quoi? Eh bien si. Tout est vrai. Tout est monstrueusement vrai. Comme je vous l'ai dit dès le début. Tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on croit, tout ça est faux. Enfin, faux et vrai d'une certaine façon. Disons que la distribution des cadeaux se fait réellement. Là, tout de suite, mon fils est en train de déballer des cadeaux que je ne lui ai même pas offerts. C'est cette créature, cette monstrueuse, abominable créature, qui est venue, soit elle, ou soit le Père Noël, entre guillemets. Car lui, je ne veux même pas savoir à quoi il ressemble. Si ces lutins sont aussi monstrueux, alors à quoi peut ressembler le gros joufflu? Il est sûrement aussi monstrueux qu'eux. Peut-être même pire. Je ne veux même pas imaginer. Et n'oubliez pas cela. Peut-être que la magie de Noël existe réellement. Mais toute cette part de fantaisie, ce côté magnifique à la fête, eh bien, c'est un pur mensonge. Le Père Noël et ses lutins ne sont que de réels monstres. D'abominables et monstrueuses créatures. J'adore Noël. Noël, c'était comment déjà la première fois que je l'ai entendu? C'était comment qu'il l'appelait? Oh, je sais plus. Oui, j'en ai vu tellement des Noëls, tellement des versions différentes, des fêtes, des pratiques. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de façons différentes, de traditions, qu'il peut y avoir uniquement pour ce jour-là. Enfin, ce jour-là et d'autres qui suivent, ou précèdent, le 24 décembre. Ce qui est sûr, c'est que l'humanité a toujours adoré ce mois-ci. J'ai vu tellement de traditions. Laquelle est-ce que je préfère? Voyons. Voyons, si je devais en choisir qu'une seule, je dirais le gui au-dessus de la porte. Ça, c'est marrant. Des fois, ça crée des couples. Et des fois, ça en brise d'autres. Ah bah alors ça, je peux vous garantir que je me suis incrusté à quelques soirées et ça a quelquefois tourné au vinaigre. Comment je le sais? Eh bien, disons que je m'embêtais ce soir-là et puis... Il est possible que j'ai pu par moi-même placer le petit gui au-dessus de la porte alors que c'était pas prévu. Et ça crée des problèmes, enfin, vous voyez quoi. Oh, c'est bon, je suis un immortel, je me passe le temps comme je peux. Hein. Faut bien que je me divertisse et que je vois comme ça des scènes de ménage. Non, sérieusement, c'est toujours drôle.
quand c'est pas surjoué comme à la télé. Enfin bon. Et là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi tu racontes tout ça? Eh bien, malheureusement, je suis un peu bloqué là, en fait. Je suis devant une grande maison et je dois attendre, simplement. Attendre qu'il finisse sa sale besogne. Et qu'il ne fasse pas autre chose. De qui donc? Eh bien, vous le connaissez. Je vous donne un indice. Il est grand, il est moche, très très moche. Il a des grosses cornes, un panier dans le dos. Et lui aussi vient le jour de Noël quand on l'a invité. Alors c'est... Eh oui, c'est le Krampus. Krampus, Krampus, appelez-le comme vous voulez, ça. La prononciation change toujours par rapport à là où vous êtes. Et là, vous vous dites sûrement, mais bordel, t'es un chasseur, c'est un monstre. Entre dans la maison et fume-le. Non mais vous croyez que j'ai pas envie de faire ça? Vous croyez que là, tout de suite, j'ai pas envie de faire une super entrée digne de... digne de moi-même? Eh oui, parce que mes entrées sont tellement belles que personne ne fait mieux que moi. Oh putain, je vais avoir les chevilles qui enflent moi après ça. Ah oui, faire une super entrée digne de moi-même? Sauter sur cette sale bête, lui arracher la tête et l'utiliser comme un trophée? Bah bien sûr que si, j'en meurs d'envie. Est-ce que je peux le faire? Ben non, je peux pas, j'ai pas le droit. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu spécial en fait. Disons que... Comment décrire ça? C'est compliqué. Disons qu'il faut toujours un contraire à une situation. Pour un bien, il y a un mal. Pour un blanc, le noir. Le chaud, le froid, et ainsi de suite. On va pas tous les évoquer, ça sera trop long. Eh bien, si on a un Père Noël, il faut son némésis, sa partie méchante. S'il n'était plus là, croyez-moi que ça ferait un gros tas de bordel. Ça serait le chaos, l'anarchie, la merde complète. Et surtout, il a l'immunité diplomatique. Non, je plaisante, il n'a pas réellement signé des papelards avec des présidents. Non, ce que je veux dire par là, c'est que lui, on l'a invité. Pour faire venir le Krampus, il faut prendre une lettre qui a été écrite par un enfant et la brûler. C'est une invitation officielle. Et techniquement, je ne peux rien faire contre une invitation. Et là, vous allez sûrement me dire, oui, mais les vampires, eux, ils arrivent à rentrer chez nous et pourtant on les a invités. C'est pas pareil. Ils ont fait preuve de ruse. À la base, vous n'aviez pas l'intention de le faire. Non, parce que, excusez-moi, mais s'il faut délibérément prendre une lettre, un briquet, des allumettes ou toute autre chose et la brûler, c'est un peu spécial comme accident, faut le faire exprès. Ou alors, faut vraiment être sacrément con. Dans tous les cas, vous savez quoi? Eh bien, la personne mérite de mourir. Trop prétentieux pour l'avoir invité ou simplement trop con pour vivre. Et moi, mon rôle dans cette histoire? Ben, c'est simple, comme je vous l'ai dit, faut que j'attends là et que je m'assure qu'il n'aille pas faire de petit nettoyage de printemps, nettoyage d'hiver, je veux dire, dans une autre maison voisine. Oui, cette créature est très gourmande. Croyez-moi qu'il n'hésitera pas une seule seconde à sauter chez un voisin dès qu'il aura l'occasion. Je dois donc le stopper avant qu'il ne le fasse. Je ne peux pas le tuer, mais j'ai quand même le droit de lui faire super, super mal. Oui, il craint la douleur. Bon, moi aussi, mais c'est pas pareil. Attendez une seconde. Je crois qu'il vient de terminer. Et je le vois par la fenêtre. Est-ce qu'il va? Il va passer. Je reviens à vous. Tu sais très bien que t'as pas le droit. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu rentres chez toi maintenant? Ou t'essayes encore de passer? Tu vas encore essayer de passer. C'est génial. Je me faisais vraiment chier comme ça dans la neige. Allez, approche. Bon, c'est bon. T'es calmé là? Tu te barres maintenant? Allez, fous-moi le camp. Et je te revois pas avant l'année prochaine. Allez, tire-toi. C'est bon.
Il est parti. Oh la vache, c'est toujours un vrai exercice physique de se mesurer à lui. Enfin bon, une année de plus où je sauve la vie de pauvres innocents qui n'avaient rien demandé. Non, pas la peine de le suivre. En général, il ne fait qu'une seule maison et puis il rentre chez lui. De toute façon, comme je vous l'ai dit plus tôt, il faut l'inviter, déjà de base. Il ne vient pas chaque année. On pourrait croire que les accidents avec les lettres sont... monnaie courante. Mais vous en connaissez beaucoup, des enfants qui écrivent encore des lettres au Père Noël? Bah non, il n'y en a plus tant que ça. Donc forcément, moins de lettres égale moins d'accidents. C'est logique. Bon, il me reste quelques minutes avant Noël. Eh bien, je vais aller voir des amis, en espérant qu'ils n'ont pas bouffé toute l'Inde pendant mon absence. Je me permets quelques jours de congé, de toute façon, avec le froid qui fait, très peu de monstres vont sortir. Allez, on va se mettre bien au chaud, et je vais attendre un petit peu que ces méchantes blessures ne cicatrisent. Et aussi que mon bras gauche repousse. Ça, ça sera pas du luxe. Bonjour à vous, je m'appelle Georges, je suis un chasseur. Attention, pas ceux qui font de la chasse pour le loisir et qui finissent complètement bourrés à seulement 10h du matin, à peu près, c'est leur moyenne. Non, non, moi je suis chasseur professionnel, d'où le somme de père en fils, depuis pratiquement toujours en fait. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous chassions autrefois pour le plaisir du sport. Mais maintenant, avec tous les problèmes que nous avons, et excusez-moi si vous défendez ce genre de principe, mais sachez que le monde aura toujours besoin des chasseurs. C'est inévitable. Je pourrais comme cela vous raconter des dizaines et des dizaines d'exploits. Je vais plutôt vous expliquer celle d'aujourd'hui. Elle aurait dû être ma plus belle, ma plus grande, ma plus prestigieuse de toutes les chasses. J'aurais dû être connu et célèbre dans le monde entier. Mais finalement... ça a été ma pire erreur, la pire que je n'ai jamais fait. Mais laissez-moi vous expliquer depuis le début. Croyez-moi que cette histoire-là, parmi toutes celles que j'ai en réserve, elle vaut vraiment la peine d'être écoutée. Il y a de ça une semaine, à peu près, j'ai été contacté par des éleveurs, d'une petite commune, dans les Alpes françaises. Oui, oui, exactement, ce sont les éleveurs maintenant qui font appel à nous. Vous croyez quoi ? Vous imaginez un simple fermier prendre un fusil et terrasser des sangliers qui ravagent ses cultures? Ou un loup qui dévore ses agneaux? Comme je vous le disais, l'agriculture aura toujours besoin des chasseurs. Mais passons. Et quand je vous dis que j'ai été appelé par quelques éleveurs, je dirais même que j'ai été appelé quasiment par tout le village. Oui, ils étaient tous, soit bergers, soit... comment est-ce qu'on appelle ceux déjà qui élèvent des vaches? Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Bon, passons, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, toutes les personnes là-bas avaient sérieusement besoin de mes services. La grande majorité d'entre eux ne cessaient de crier au loup ou à l'ours. Ils ne savaient pas spécialement. D'après eux, c'était une grosse bête, c'est sûr et certain. Personne n'aurait pu s'en prendre à du bétail avec tant de violence. L'énorme hésitation des éleveurs venait principalement du fait que les traces retrouvées sur place n'étaient jamais vraiment identifiées. Qu'importe ce que c'était, cette créature restait très mystérieuse. Là, vous me diriez, d'accord, mais la police, ils font quoi? La police? Eh bien, c'est simple. Ils relaient simplement l'affaire à la gendarmerie, quand ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est. Ils donnent une vague explication afin de calmer la foule, qui ne cesse de réclamer vengeance. Il dit, c'est un loup, maintenant allez voir ça avec les gendarmes. Les gendarmes regardent. Et il dit, c'est un ours, maintenant allez voir ça avec la police. Et ainsi de suite. Il y en a même qui avaient pensé à un genre de gros vautour ou quelque chose dans le genre. Non mais sérieux, un vautour qui attaque comme ça des chèvres et des moutons? Mais ils ont fumé quoi les gars? C'est pas possible. Bref, en gros, ils n'en avaient rien à faire. Et c'est à ce moment qu'on fait appel aux vrais professionnels, c'est-à-dire moi. J'avoue que dans ma qualité de chasseur, j'étais assez connu. J'imagine que vous ne me connaissez pas, car la chasse, ça ne vous regarde peut-être pas spécialement. Je le conçois,
Mais croyez-moi que dans le domaine de l'agriculture, si une bête vous embête, hein, jeu de mots, appelez-moi et je lui ferai la peau. Une fois arrivé sur place, j'ai commencé à faire ma petite recherche, investigation, appelez ça comme vous voulez. Car j'aime bien avoir les avis de certaines personnes. Je voudrais savoir exactement ce que je recherche. Après tout, le but du jeu du chasseur, ce n'est pas d'entrer bêtement dans les bois ou dans la montagne pour cette situation et de tirer à tout va sur les premières bestioles qui passent devant lui. À quoi ça me servirait? Bon, c'est sûr que, dit comme ça, si je bousille tout dans la montagne, j'aurais bien fini par avoir la bonne bête dans le lot. C'est obligé. S'il n'y a plus rien, ça veut dire que le bon, il est mort. Mais à quoi cela servirait? C'est justement l'une des parties que je préfère dans la chasse. Chasser, plus précisément. Regarder les petites traces par terre. Chercher le moindre petit indice. Des empreintes. Des restes. Vous voyez ce que je veux dire? Des traces de poils. Des appareils photos, que je place bien sûr moi-même. Enfin, des pièges photos. Comment on appelle ça? J'adore savoir d'abord ce que je m'apprête à tuer, pour savoir exactement comment il est, et pour mieux le prendre. Et là, je peux vous dire que j'en ai passé des heures et des heures à interroger la moindre personne qui pouvait ne serait-ce qu'avoir un tout petit soupçon sur une certaine créature. À ces moments, le moindre radis peut faire la différence. La montagne est un endroit très difficile à accéder. Si je fais un faux pas, je fais une chute mortelle. Et à ce moment, personne ne viendra m'aider. Et pire encore, peut-être même que la bestiole que je chasse viendra me bouffer pendant que je suis à terre. Car j'avoue que quelque chose ne collait pas dans cette histoire. Les loups sont très craintifs, énormément craintifs même. Les ours, pour le peu qu'il en reste, ils préfèrent ne pas s'approcher. Il y avait quelque chose de pas net. Pourquoi est-ce qu'un animal, tout seul, ferait ça? Était-il une bande? Non, peu probable. Avec toutes les grandes années de chasse que j'ai derrière moi, je sais très bien qu'un animal sauvage s'en prend uniquement à du bétail, soit parce qu'il a extrêmement faim et qu'il n'a plus le choix, ou soit qu'il est blessé, trop vieux ou je ne sais quoi encore, et que cela l'oblige à chasser des proies très faciles. Mais un animal sauvage évitera systématiquement de s'approcher à l'être humain. Le plus que possible. J'avais pour moi deux candidats parfaits. Soit un vieux loup qui avait été isolé de sa meute, ou soit un très jeune ours qui venait d'arriver dans le coin, et qui voulait simplement faire sa loi, montrer aux éleveurs que c'était lui le patron dans le coin, et qui voulait donc provoquer. Certainement, tiens, qu'il allait provoquer. Je me disais à ce moment, si c'est vraiment un ours, il va rapidement comprendre qui est le patron ici. Et c'est certainement pas lui. Enfin, c'est ce que je pensais à ce moment, bien sûr. Les derniers indices que j'ai rassemblés venaient d'une petite ferme gérée par un couple de personnes âgées. C'était il y a quoi, 2 jours à peu près? Oui, c'est ça, 2 jours. J'ai d'abord commencé à les mettre à l'aise, de discuter d'un peu de tout et de rien, la pluie et le beau temps. Je n'aime pas directement agresser les gens en leur disant « Bonjour, qu'est-ce que vous savez ?» Non, je trouve ça mal poli, déjà que je les dérange dans leur vie quotidienne. Essayons d'abord de faire un peu connaissance, les mettre à l'aise. Et puis, quand je suis entré dans le vif du sujet, ils m'ont parlé d'une créature que j'avais déjà entendu parler, mais à mes yeux, ce n'était qu'une légende. Le dahu. Pour ceux qui ne connaissent pas, le dahu est un genre de chèvre qui aurait les pattes de gauche ou de droite, plus courtes que les autres, ce qui le permettrait de pouvoir facilement monter aux montagnes, à condition bien sûr qu'il reste toujours du côté qui l'arrange. Sinon, il tombe. Quel animal vraiment stupide! Je n'osais pas les contredire, bien sûr, car moi, quand j'étais plus jeune, on utilisait l'expression « aller chasser le dahu » pour 2 choses. Soit c'était pour dire simplement que tu vas chasser rien du tout, tu vas faire une journée dans le vide. Mais mon expression favorite, c'était plutôt quand j'étais jeune homme, si vous voulez. À ce moment-là, entre nous, chasseurs, on se disait plutôt le soir « Alors, tu vas chasser le dahu ?» C'était pour dire qu'on allait voir une jante féminine qu'on appréciait beaucoup, en échange d'une certaine somme, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai donc continué à discuter un petit peu avec eux. Après tout, ils ne devaient pas recevoir de visite très souvent. Alors je me suis permis de perdre un peu de mon temps. C'était pour la bonne cause. Je suis resté quoi, 20-30 minutes de plus, je pense. Puis je suis retourné à mon hôtel,
afin de rassembler toutes les notes. Pour moi, il n'y avait pas de doute. C'était soit un loup, soit un ours, comme je vous l'ai dit plus tôt. Mais alors, cette histoire de Dahu, quand j'y ai repensé à ce moment, j'avoue que ça m'a fait bien sourire. Presque rire, même. Mais c'est bon, je ne veux pas non plus en rajouter une petite couche. Après tout, ce couple de personnes âgées, ils avaient l'air d'y croire dur comme fer. Mais il n'était pas question pour moi d'aller chasser quelque chose de complètement fictif. Mais le soir même, j'avais rassemblé tout ce qu'il me fallait. Mon arme était prête, j'avais des munitions, mon petit campement était prêt à être installé n'importe où. Maintenant, il fallait frapper. Il m'avait engagé, cette bête devait mourir, qu'importe ce qu'elle était. J'avais choisi un coin parfait pour cela. D'après toutes les rumeurs, tous les indices que j'avais réussi à rassembler, il me semblait que une petite prairie que j'avais localisée sur Google Maps, située au milieu des Alpes, pas au sommet, non, je vous rassure, une vraie petite prairie, toute simple, serait un endroit idéal pour venir tendre un piège à cette créature. Non, je n'allais quand même pas lui courir après dans les bois, et puis quoi encore? Le mieux à faire pour attraper un animal bien précis, c'est d'être sûr que c'est lui qui vienne à nous, pas l'inverse. À ce moment-là, c'est nous qui avons l'effet de surprise. Bon, j'avoue que ça n'a pas été facile. J'ai fait la grande majorité en voiture, mais le reste, c'était obligatoirement à pied. Le chemin était très abrupt et très escarpé. C'était emmerdant, je l'avoue. Mais au moins, ça signifiait une bonne chose. C'est que très peu de gens devaient venir, et donc que je ne serais pas dérangé. Enfin, du moins, je l'espérais. Il était hors de question pour moi de devenir babysitter ou alors d'avoir un stagiaire pour lui expliquer comment fonctionne la chasse. Et puis quoi encore? J'ai du travail, moi. Il m'a fallu une bonne partie de la journée pour arriver là-bas. Je me suis empressé de tout installer. Tente, caméra, piège photographique. On ne sait jamais. J'aurais pu lui tirer le portrait avant de tirer dans celui-ci. Mais c'est vrai que la marche a été très 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 fatigante. Alors pour bien récupérer, je me suis couché de bonne heure. Je me suis dit, allez, tant pis, ce soir, on chasse pas. Et puis, dans le pire des cas, si cette créature vient, mon fusil était chargé juste à côté de moi. La chasse aurait été juste un peu plus rapide, c'est tout. Même si je savais bien qu'il ne viendrait pas. Il ne me connaissait pas. Il ne savait pas le danger que j'étais. Tout animal qui serait ne serait-ce qu'un tout petit peu intelligent sait très bien qu'il ne faut pas attaquer quelque chose qu'il ne connaît absolument pas. Le lendemain, c'est-à-dire ce matin, j'ai immédiatement foncé sur mes pièges. Bien sûr, ils étaient tous vides. Même les pièges photographiques. Aucun d'entre eux n'a photographié quoi que ce soit. Dommage. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il était. Enfin, tant pis, je me suis dit, ce soir normalement, il est mort. Donc, je n'aurai pas de petits souvenirs de lui. Même si j'avoue maintenant, quand j'y repense, je crois que c'est peut-être pas plus mal que je n'ai pas eu de photo de lui. Ça aurait été beaucoup trop bizarre et vraiment inexplicable, aux yeux de tous les autres. Je me souviens avoir passé le reste de la journée à installer les quelques autres appareils photo qui me restaient. Je n'avais pas pris le temps de tous les mettre la veille. Bon, j'avoue, de toute façon, il m'en restait quoi, 5, 6? C'était pas vraiment méchant. Une fois cela fait, j'ai décidé de faire un petit tour de reconnaissance. Regarder dans les coins, me familiariser avec le paysage. À ce moment, j'avais vraiment l'intention de rester plusieurs jours. Mais je peux vous garantir que ce paysage, aussi calme et tranquille qu'il l'était, chaque forêt était très angoissante. J'avais beau à me promener tout seul, et à savoir que oui, j'étais seul. J'avais systématiquement l'impression que quelque chose me suivait. Quoi? Je ne sais pas. Peut-être le loup ou l'ours. Mais j'entendais plein de craquements derrière moi. Des petites branches qui étaient remuées. Des feuilles mortes sur le sol. Mais il y avait toujours cette impression de présence. À ce moment, je ne savais pas ce qu'il était. Mais je savais très bien qu'il était là. Et il m'agaçait au plus haut point. Je vous laisse vous imaginer comme ça dans votre loisir et de vous faire constamment déranger par quelque chose que vous savez très bien qu'il est là. Il veut se faire remarquer. Il voulait, à tout prix, que je constate sa présence. Pourquoi? Je n'en avais aucune idée. Cet animal savait être discret. Si ça se trouve, il me suivait même depuis le début, au moment même où je suis arrivé dans cette montagne. Peut-être qu'il était là, qu'il m'observait, qu'il m'avait regardé mettre ma toile de tente. À cet instant, il voulait être discret, et là, il voulait que je le remarque. Mais il jouait à quoi comme jeu? J'étais extrêmement agacé. Et malheureusement, peut-être un peu trop sûr de moi. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai chassé pendant des années, pratiquement toute ma vie même.
Depuis que j'ai eu l'âge de mettre un fusil dans mes mains, je n'ai cessé de tuer des animaux. J'ai donc fait une erreur du débutant. J'ai pas fait attention, j'étais trop sûr de moi et j'ai merdé. J'ai complètement merdé. Avant la nuit tombée, je suis rapidement retourné à mon campement. Mine que rien, marcher comme cela dans la montagne, c'est crevant. J'en ai donc profité pour me reposer une petite heure. Et aussi pour manger quelque chose de bien copieux. J'avais l'intention de rester éveillé toute la nuit. Alors il fallait au moins ça. Mais j'avoue qu'arrivé à mon campement, il n'y avait plus aucun bruit de la créature. Elle n'était tout simplement plus là, plus à côté de moi. Elle était repartie dans les bois, à ses occupations. Peut-être qu'elle aussi, elle avait faim. Alors à ce moment, c'était à moi de reprendre mon rôle du chasseur. J'allais retourner dans son territoire. Et j'allais reprendre mon sport préféré. J'ai passé les 3 premières heures à scruter le moindre coin, la moindre clairière, la moindre forêt. J'avais l'intention de la chercher toute la nuit. Alors, tous les coins de cette montagne, j'allais tous les passer au Pengfin, jusqu'à ce que j'arrive enfin à la trouver. C'est à peu près dans les alentours de 4 heures du matin que tout est arrivé. J'ai commencé par entendre un petit bruit familier, une simple chèvre des montagnes. Après tout, c'est vrai qu'on en croise plusieurs dans le coin, mais je n'en avais pas vu toute la journée. Peut-être que celle-ci s'était perdue de son troupeau, et qu'elle cherchait désespérément à le rejoindre. Mais seulement quelques instants après, j'ai entendu un autre bruit. Ça par contre, j'avoue que je ne le connaissais pas. Un cri d'un animal, me suis-je dit. Et qu'est-ce que c'était? J'ai chassé tellement de créatures. Pourquoi je ne le connais pas celui-ci? J'ai tué pratiquement tout ce qui était légal, bien sûr, je précise, je ne suis pas un braconnier. J'ai aidé à la chasse aux lions, aux hyènes, à certains tigres, dans quelques endroits en Inde. J'ai même chassé des ours noirs en Amérique, et j'en passe. Mais alors ce cri... Non, non, il n'y avait rien à faire. Je ne le reconnaissais, vraiment, mais vraiment pas. À ce moment, j'ai ressenti 2 émotions. Bien sûr, une petite angoisse. La peur de l'inconnu, très certainement. Mais en même temps, une poussée d'adrénaline et de joie. J'allais peut-être voir quelque chose que je ne connaissais absolument pas et que j'étais peut-être même le seul à l'avoir vu. Quel chasseur au monde n'a jamais rêvé d'avoir une telle opportunité? J'ai donc comme cela, mais toujours avec cette boule au ventre par la peur, avancé dans la direction de ce cri, qui ne semblait pas très loin, mais ça a toujours été mon point faible. J'ai toujours eu un peu de mal à localiser les bruits. Donc, le plus discrètement que possible, j'ai avancé dans sa direction. Il ne cessait de crier. Mais en même temps, il y avait toujours cette chèvre qui criait aussi. Lequel des deux je devais suivre? La créature ou ce qui devait être probablement sa proie? Après avoir marché pendant un petit moment, dans la plus grande discrétion, je suis arrivé à la source des 2 bruits. Quand je suis arrivé dans une petite clairière, de là où tout provenait, la chèvre, elle n'y était plus. Enfin, si, elle y était toujours, mais pas entière, si vous voulez. C'est là que je l'ai vue, pour la première, et j'espère, toute dernière fois de ma vie. Quand je vis cette créature, cette immense créature d'au moins 2 mètres, toute poilue, cornue, se tenant sur ses pattes arrière, qui dévorait goulûment cette chèvre. J'espérais tellement que la pauvre bête soit morte à ce moment et qu'elle ne souffre pas. Ce monstre l'avait soulevée du sol en la tenant par la gorge et elle avait commencé par lui manger le ventre et tout son contenu. J'entendais les bruits de mastication, les petits os qui se craquaient sous ses dents, l'ignoble odeur qui se dégageait de celle-ci. J'étais effrayé et subjugué par cet ignoble spectacle qui était devant moi. Je vous l'avoue, pour la première fois de ma vie, je ne savais vraiment pas quoi faire. Quand j'ai vu un lion la première fois, je savais ce que c'était. Quand j'ai vu un tigre, un ours, je les avais déjà vus dans des films ou dans des livres. Mais ça, je n'avais aucune idée. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? Je pouvais pas. Je ne pouvais vraiment pas tirer. Et puis de toute façon, tirer où? Les pattes? La tête? Si je le manquais, est-ce que cette chose était rapide? Est-ce que cette chose était extrêmement forte? Qu'est-ce qu'elle m'aurait fait? Je ne savais rien. Je ne savais absolument rien d'elle.
Je n'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait me faire. Est-ce qu'elle m'aurait fui? Est-ce qu'elle m'aurait chargé directement pour me dévorer et faire de moi son dessert? La seule chose que j'ai réussi à faire, c'était de reculer, tout doucement, à pas sûr, tout en regardant de temps en temps, pour être sûr de ne pas casser une branche ou n'importe quoi qui aurait pu signaler ma présence. J'y reculais, très 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 lentement. Je voulais faire demi-tour, je voulais courir à toutes jambes, mais elle m'aurait vu, ou alors au moins entendu. Et puis de toute façon, je ne pouvais même pas la décrocher du regard. Tellement cette chose était monstrueuse, mais en même temps, elle me fascinait du plus haut point. Je me maudis encore de ne pas avoir eu mon appareil photo. J'ai lentement marché en arrière, pendant quoi 10 bonnes minutes, certainement. Le temps d'être à bonne distance. Puis je me suis retourné et j'ai couru. Aussi vite que je le pouvais. Certainement encore plus vite que je n'avais jamais couru de toute ma vie. J'ai fait un raffut pas possible sur mon passage. Et je pense qu'elle le savait. J'ai signalé ma position comme un imbécile, comme un débutant. Et cette créature l'avait remarqué. Je n'avais pas encore eu le temps d'atteindre mon campement, que j'ai entendu une nouvelle fois son hurlement. La créature m'avait pris en chasse. J'ai continué à courir, en espérant qu'elle ne me rattrape pas. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne savais rien d'elle. Je ne savais pas si elle courait vite, ou si elle était maladroite, si elle était à l'aise dans la forêt ou dans la plaine. J'entendais son cri qui se rapprochait de plus en plus. J'ai donc supposé qu'elle était très rapide. J'avais tellement honte de moi. J'avais peur. Et je me suis finalement retrouvé de passer du chasseur à la base au chassé. Et cette sensation que j'avais déjà connue auparavant, face à de très gros animaux, est toujours très désagréable. La seule chose qui me rassurait un minimum, c'était de me dire, si dans le pire des cas elle me rattrape, eh bien j'essaierai quand même de lui tirer dessus. Après tout, j'ai toujours mon fusil. Lui, il est hors de question que je lâche. Mais ça revenait au même. Même si je lui tirais dessus, et que j'étais quand même chargé au calibre 12, ce qui est assez pas banal. Mais est-ce qu'au moins ça allait percer sa peau? Est-ce que j'avais la moindre petite chance avec mes munitions? Alors dans le doute, j'ai continué à courir, courir, courir. Je ne voulais même pas retourner à mon campement. Il n'était pas très loin. Et si cette créature était toujours aussi près, qu'est-ce que j'aurais fait? Je me serais enfermé dans la toile de tente? Waouh, quelle protection! Non, j'ai pris un autre chemin. Direction ma voiture. Il y en avait pour 4 bonnes heures pour y aller. Et il n'était vraiment pas facile. Je n'avais aucune chance d'y arriver à temps. Mais je me suis dit, allez tant pis. De toute façon, t'as pas le choix. Alors j'ai continué à courir pendant une bonne heure. Et finalement, je me suis arrêté. Pas de gré bien sûr. Mais j'étais complètement épuisé. Pourtant, j'avais fait tous les parcours du combattant qui étaient possibles et imaginables. Mais là non, j'en pouvais vraiment plus. Je me suis littéralement écroulé sur le sol. Complètement essoufflé. Mais par chance pour moi, la créature n'était plus là. Là, je me suis demandé, depuis combien de temps elle m'a lâché? Je cours tout seul comme un débile comme ça depuis peut-être plusieurs longues minutes. Mais j'étais beaucoup trop essoufflé pour penser à quoi que ce soit. Je suis resté au moins 20 minutes allongé dans l'herbe, à essayer de reprendre mon souffle. J'ai même failli en vomir, tellement que j'étais épuisé. Mais croyez-moi que je ne voulais pas non plus m'attarder ici. Dès que j'ai eu l'occasion, je suis directement reparti. J'ai de nouveau repris ma course, jusqu'à arriver aux obstacles assez délicats, comme descendre quelques chemins abrupts, que j'ai fait beaucoup plus lentement qu'à l'aller. Je tremblais de partout, j'étais encore pris sous le choc. J'ai donc fait des mouvements beaucoup plus longs pour être sûr de ne pas trébucher. Une erreur est très vite arrivée, quand on est angoissé comme cela. Puis quand je suis enfin arrivé à ma voiture, 5 bonnes heures plus tard, je suis remonté dans celle-ci. Et je suis parti aussitôt. En jurant que plus jamais je ne retournerai dans ces montagnes. J'étais tellement pris dans ma course que je ne voulais même pas m'arrêter pour faire un plein d'essence. J'ai continué à rouler comme cela, désespérément en ligne droite. Et ce qui devait arriva, je suis tout simplement tombé en panne. Quelques longues minutes plus tard, après avoir ressassé ce que j'avais vécu, j'ai finalement appelé une dépanneuse. Qui est venu quelques instants après. J'ai fait une bonne partie de la route avec le dépanneur, assis juste à côté de lui dans son camion. Il ne voulait vraiment pas me parler. J'avais presque l'impression qu'il me maudissait de l'avoir dérangé durant son jour de congé.
Mais moi, j'en avais que faire. Je n'avais qu'une seule chose en tête. Cette créature. Et la pauvre chèvre qu'elle avait dévorée comme ça. Je revoyais à chaque instant cet horrible spectacle de cette pauvre chèvre se faire dévorer vivante de façon tellement atroce. Il m'a finalement déposé à la première station-service. Et là, je suis là, à enregistrer toute cette histoire. Si je dois tenir une leçon que j'ai envie de partager avec le monde entier, oui, le Dahu existe. Mais il n'est vraiment, vraiment pas comme les légendes le décrivent. Il n'est pas une chèvre. C'est un mangeur de chèvres. Ou voire même d'autres choses. S'il m'a poursuivi comme cela dans les montagnes, c'est qu'il avait sûrement une bonne raison. Vous croyez vraiment qu'une créature comme ça a peur qu'on aille crier au monde entier « Le Dahu existe ». Qu'est-ce qu'il en a à faire? Il voulait simplement un dessert. Ce monstre dévore tout ce qu'il voit. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne retournerai plus jamais dans ces montagnes. Et les fermiers, mes clients, qu'ils aillent se faire voir, qu'ils se débrouillent avec leurs monstres. Moi, c'est fini. Je ne veux plus jamais remettre les pieds là-bas. Et je ne veux plus jamais entendre parler de la chasse au Dahu.